Partage ma part. Je fais chaud. Je ne peux pas enlever ça, maman. Hey! La chaleur de ça, maman. Hey, dedans. C'est pas ça. Partageons le live, les gens. Partageons le direct. Quoi que tu n'as pas parlé. Maman, il fait chaud, hein? J'enlève la peau ici, maman. Ouais. Je dis que comme il porte bien pour mettre la belle robe ici là. C'est une robe pour Noé. Oh, maman, fais mes patience. Bonsoir, maman, comment tu vas? Je dis que pour honorer les gens de la tête cassée pour une belle robe. Donc, je dis que non, je vais porter la robe ici là. Je vais porter la robe ici. Sexy. Pour honorer mes mamans de la tête cassée. Ça fait les choses bien, il faut apprécier. Partagez le direct, les gens. Et à pour là seulement sur Facebook, Nico, que tu vas parler fort. Je n'ai pas voulu mettre le nom de Rêve Mbinda parce que pour moi, il n'est pas star. Partagez le direct, les gens. Je n'ai pas voulu mettre le nom de Rêve Mbinda parce qu'elle n'est pas star. Moi, je veux parler à cette fille. Partagez le direct, les gens. Merci, maman Fabi. Merci, maman Fabi. Parce que c'est pour vous que j'ai porté cette magnifique robe là. C'est pour vous que j'ai porté cette magnifique robe. Mais maman, elle a été cassée. Et vous avez fait honneur pour porter cette magnifique robe, mais
Vous portez cette magnifique robe là. C'est pour vous. Puis vous êtes honneur. Moi, comme ça, je sors toujours. Ouais, quel vent de l'ego que tu as si elle va partir quand mon maman. On va m'insulter. Oh, gros ventre. Mes gens, partageons le direct, mes gens, partageons le direct. On va quand même un peu danser, non? Partageons le direct, mes gens. Il faut que tu aies là, on va stopper là seulement. Partageons le direct. Il faut qu'on dise la vérité aux gens sur Facebook aujourd'hui. Il faut que tu aies de retour. Il faut que tu aies de retour. Partageons le direct, mes gens. On se trouve un peu, mesdames, pour danser. Partagez le direct, mes mamans. Partagez le direct. Partagez. Partagez le live. Partagez le direct, mes mamans. Partagez. On va un peu danser pendant que les gens arrivent. On va dire non là seulement. Sur Facebook. Non, je porte pas. Partagez. On met un peu la musique, on danse. Oh, ah. Elle est chaud pas. On met. Partagez le direct, mes mamans. Partagez. La forêt à serrer. Tant pis. On me partage. Ma page est restreinte. Partagez le direct. La page est quoi que tu es restreinte. Partagez. Dès que le direct est fait sur les sols, ça a sauté. Non, le direct a sauté. Donc, partagez le live, mes gens. Partagez le live. Il faut qu'on commence avec un bon. Partagez le live, mes gens. Partagez. Partagez. On est connexion. Ils sont en train de partager, mes gens. Partagez. Il n'y a pas le temps. Partagez le live, mes gens. Partagez. Partagez le direct, mes mamans. Partagez. Partagez, mes gens. Ici, on n'achète pas les vues. Ici, là, sont nos vraies vues. Partagez le direct. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le live. Ils signalent. Ils ne veulent pas que Nicole Kétia doit parler. Nicole Kétia doit s'exprimer. Ouah. Nicole Kétia doit s'exprimer. Je ne suis pas une personne qui est haineuse. Partagez mes mamans, partagez, ils sont en train de signaler. Ça n'est pas parce que le monde est passé à 200. Partagez mes mamans, partagez mes mamans, osons parler, les bêtises vont se dire. On va maintenant se programmer notre direct pour moi, mais on va maintenant danser pour le moment. Aujourd'hui, on parle des vraies choses. On dit les vérités sur la toile. C'est qui est-ce que la cible va tout prendre? La cible prendra toujours les balles perdues. La cible va tout prendre les balles perdues. C'est qui est-ce que c'est ça? Partagez le live, partagez le direct, mes gens, partagez le live. Partagez le direct, on va chauffer ce soir. Je vous ai manqué. Il faut que j'ai de retour. On va mettre les sabots. C'est le moment des sabots maintenant. On va mettre les sabots, on va programmer le direct du sabot. La semaine prochaine.
On va mettre les sabots de vol. Partagez le moment, partagez. Partagez mes mamans, partagez. La cible va prendre les balles perdues. Tu peux écouter ça. La cible prend les balles perdues. Partagez mes mamans. J'ai besoin de parler aussi qu'on m'écoute, non? On m'entend. Pourquoi vous voulez signaler mon direct? Je ne comprends pas. C'est comme ça a planté. Ça a planté. Vous ne mettez pas les cœurs. Ils ont planté le live. Ça a planté, donc. Je n'ai pas le droit de danser. Je n'ai pas le droit de rien faire. Hein? Vous voyez? Une femme bio, belle, sans forme. Je n'ai pas le droit de danser. Je n'ai pas le droit de rien faire. Donc, c'est vous qui allez... Donc, vous allez venir signaler mon live. Donc, vous allez venir signaler mon direct. C'est comme si le direct a planté. C'est comme ça, même. Ça a planté. C'est comme ça a planté à l'autre. Ils ont planté le live. Pourquoi vous plantez mon direct? Pourquoi vous plantez mon live? Laissez mon live tranquille. J'ai le droit de danser, non? J'ai pas le droit de danser. J'ai quand même les têtes de mort. J'ai pas le droit de danser. Laissez mon live tranquille. J'ai le droit de m'exprimer. Je vais me remercier la famille Tétassé de m'avoir bien accueilli à Paris. J'ai aussi envie de parler de la soirée parce que j'ai trouvé qu'il y a trop d'harcèlement sur les réseaux sociaux et le mensonge dans Facebook. Donc, j'ai envie de parler aussi à Revin Binda, la fille qui vit dans le social en Allemagne, qui n'a pas les taolos, qui s'acharne sur une soeur camerounaise. Et je vais mettre le morceau, ça c'est le morceau de Ngoy. C'est tout. Laissez-moi m'exprimer. Donc, je m'exprime, j'ai le droit de mettre mon morceau. Vous n'avez pas le droit de me signaler mon direct.
Vous n'avez pas le... Envoyez les cœurs, vous n'avez pas le droit de venir signaler mon direct. Pourquoi vous signalez mon direct? J'ai le droit de danser, non? J'ai le droit de danser. Alors? Ça monte, ça descend. Ils sont en train de signaler le live. Eux, ils signalent, maman. Le signalement de ça, maman. Vous signalez même quoi? Le direct de l'école que tu as. Donc, c'est vous qui avez le droit de vous asseoir sur les gens parler. Quand vous faites vos directs, il y a pas un qui signale. On ne signale pas vos lives. Quand vous faites vos directs, les gens ne signalent pas. On dit connexion là, parce qu'ils sont en train de signaler. Parce qu'ils ont envie de faire planter le live ici. Parce que les gens n'ont pas, le droit de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce que Facebook appartient à la majorité des personnes sur la toile. Ce sont eux qui commandent la toile camerounaise. Là, ça, ils ont signalé ma page. Je ne monte même pas à 100 personnes. Pourquoi? Pourquoi vous signalez mon direct? Vous savez mon Dieu pourquoi? Par rapport à quoi? Envoyez les cœurs, mes gens. Pourquoi vous signalez mon live pour rapport à quoi? Hein? Vous attendez de pas ce que j'ai envie de parler. Viens remercier la famille TKC. Maman a accueilli en Paris. C'est tout. Je parle aussi de l'harcèlement dans les réseaux sociaux. Je parle à Rêve Mbinda. Quel arrêt de harceler une femme comme elle? Hein? Les gens ne voient pas ça sur la toile. Vous ne voyez pas ça sur la toile. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a une blogueuse en allemand qui vit dans le social. Elle est assise sur une personne. Ça fait au-dessus de 2 ans que Raven Binda est sur Maman Pété. Tous les jours. Personne ne parle. Vous ne parlez pas. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Personne ne parle. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Nous sommes tous des Camerounais. On est tous des Camerounais. Personne n'ouvre sa bouche dans les réseaux sociaux pour demander à Rêve Mbinda d'arrêter son acharnement sur une soeur camerounaise. Vous m'avez dit ici, vous, ces mamans, j'ai été condamnée
Ma mère était publiée. La sérologie de ma mère était publiée parce que on a dit que Nicole, arrête ton acharnement sur pipi. J'avais le droit de m'acharner sur pipi. Parce que pipi avait publié ma famille sans que je la provoque. Mais si tu demandes à Rêve Mbinda, que Rêve Mbinda, pourquoi tu t'acharnes sur Maman Pépé? Elle ne va pas te dire que Maman Pépé l'a provoqué. Non. Mais ces mêmes femmes qui m'ont dit Nicole, arrête. Qui m'ont condamné, arrête. Mais pourquoi on ne dit pas la même chose à Rêve Mbinda? Parce que Maman Pépé est quoi? Donc Rêve Mbinda a le droit de s'acharner sur une personne tous les jours. Elle a le droit de s'asseoir sur une soeur camerounaise tous les jours, ne dit rien. Hein? Quand elle dit qu'elle s'assoit, elle dit que. Pardon, partagez le direct, pardon de parler. On a partagé le direct, mes gens. Partagez, ils sont en train de signaler le live. Ça ne monte même pas. Depuis la fête là, ils ont signalé mon live. Je ne parlais même plus à faire 200 personnes dans la page ici. Depuis qu'on est parti à la soirée de Maman Pépé, ils ont commencé à signaler cette page. Je ne parviens pas. La page c'était vert partout. Je ne parviens plus à faire 200 personnes. Quand on monte à 100 et pousser, ils sont en train de signaler sa descente. Vous n'avez même pas honte. On n'a pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit de venir soutenir une seule Camerounaise. Vous avez pris votre camp. Vous avez dit que non, comme j'ai choisi le camp de la mendiancité, vous avez dit que je vais voir. Comme moi, Nicole, que je vais voir. Si vous n'êtes pas mon Dieu, mais laissez mes parents tranquilles. Laissez mes parents tranquilles. Laissez-moi faire mes dégâts. C'est moi ce qui suis venu. J'ai beau ça. J'ai venu. Je vais parler le faux français. J'ai beau ça. Je suis venu en paix. Maman, malgré tout ce que vous avez raconté sur moi, je ne mendie pas chez vous. Je ne cogne pas votre maison pour mendier. Mais laissez-moi moi, ce n'est pas. Je suis en concurrence avec personne. Vous êtes en train de sauter. Vous signalez, vous chouquez ma page. Même la page de Maman Pépé, la femme ne peut pas même faire les directs. Elle n'est pas même plus à faire les directs sur ses pages. Vous êtes les seuls sur la toile qu'on doit vous voir. C'est vous qui allez briller. Les autres n'ont pas le droit de briller. Non. C'est la pure méchanceté. Quand vous êtes en live, on ne vient pas signaler vos pages. Nous, on ne signale pas vos directs. On ne regarde même pas. Vous faites vos directs. Vous, dans le mensonge, c'est dedans. Dans les insultes, c'est dedans. Dans le dénigrement, c'est dedans. On le dit. Mais dès qu'on lance pour nous, là, allez, c'est parti avec le signalement. Voilà ça. Je ne parle même pas à faire 100 personnes. 100 personnes, je ne fais pas. Parce que vous signalez mon direct. Pourquoi? Je vous dois quelque chose. Hein? Je suis en concurrence avec quelqu'un. C'est vous qui m'avez provoqué. C'est vous qui avez déposé la sérologie de ma mère sur la toile. Vous êtes fort. C'est vous qui avez la Facebook, qui avez Facebook. On n'a rien. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous ne voulez plus qu'on parle. Quand vous êtes parti avec. Quand vous avez une connexion lente. Quand vous avez voulu pas. Parce que vous êtes en train de signaler. Quand ça dit connexion, ça vous êtes en train de signaler. C'était en train de monter à 130 maintenant. Ils ont 60 de 100 et redescendre encore. Parce que vous voulez museler Nicole Kedja. Vous avez décidé que non, tant qu'on n'est pas avec vous, on ne peut pas faire le direct. Si on fait le direct, vous allez venir signaler. Parce que c'est vous qui avez Facebook. Hein? Je venais parler de la soirée. Je me suis habillée sexy pour remercier la famille Tekas de m'avoir accueilli à Paris. Je parlais, je suis plus dedans qu'il y avait à attendre que c'est deux, parce qu'ils connaissent mon quota c'est 200 personnes. Mais depuis qu'ils ont décidé que nous les niamaniamans, on n'a pas le temps de faire les idées sur Facebook là. Je ne peux plus atteindre mes 200 personnes. Je suis obligé de faire mon idée maintenant. Ça sort comme ça sort. Voilà. J'ai fait le direct sur là. Le direct a sauté. Donc, je suis obligé de parler comme ça. Je suis plus. Voilà. Ça a découragé même. Donc, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Je suis Nicole Kedja. La fille barantée de Luxe. Ça, c'est une nouvelle page ici. La page Nicole Bio. Ils ont signalé ma page. Je ne peux plus faire les directs. Je ne peux plus rien faire. C'est fini comme ça. Jusqu'à c'est un mois et demi. Vous voyez comment Facebook est. Parce que on a parlé, ils ont décidé de signer nos pages. Ils ne veulent même plus qu'on existe sur la toile. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont peur. On ne court moi avec personne. Je suis en concurrence avec personne. Je suis toujours là. La dernière des dernières. Donc, je suis venu aujourd'hui vendredi. Parce que depuis la soirée que je suis allée à la soirée de Maman Pépé, je n'ai pas eu le temps de faire un direct pour remercier la grande famille Tekas. Parce que quand je suis rentrée, vous savez, quand tu es mère d'enfant,
ma fille, c'est ma priorité, elle est tout pour moi. Mais maintenant, Odia n'est pas là. Elle allait chez son grand-père. Vous voyez, pour ça que tu ne voyais pas Marie. Vous ne voyez pas comment la maison est un peu. Ça ne, ça ne... Vous ne comprenez pas la voix de Marie parce que Marie Aura n'est pas là. Elle est partie chez son grand-père. Passer le week-end là-bas, elle va rentrer la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que j'ai profité pour faire le direct. Donc, depuis que je suis rentrée, donc, il fallait que je m'occupe de Marie. Donc, j'ai fait une semaine sans la voir. Et puis, j'ai fait deux tournées à Paris. Donc, un pour le deuil et l'autre pour la soirée. Je n'avais pas le temps de m'asseoir avec mon enfant. Donc, quand je suis rentrée, ma priorité était Marie. Il fallait que je me concentre sur elle. Donc, je savais qu'aujourd'hui, je vais partir chez son grand-père. Je profite pour faire une direct et remercier la famille TKC de m'avoir accueilli. Bon. Je vais dire aux gens que j'ai été invitée par la TKC. Je ne vais pas globaliser. Il y a des gens qui ont payé la table. Il y a des gens qui ont payé le billet d'avion. Il y a des gens qui ont payé l'hôtel. Il y a des gens qui ont payé beaucoup de choses. C'est un groupuscule de personnes. C'est un groupe de mamans qui m'aiment bien. Donc, qui ont décidé. C'est une surprise que je dois aller à Paris. Donc, j'aimerais dire aux gens que les gens ont dit que ouais, Nicole Ketia, tu es venu à Paris, tu n'es pas allé. C'était pas dans le compte de ma pépé. Non, c'était au compte de la TKC. Maman Pépé n'a rien à y voir dedans. C'était au compte de la TKC qu'il fallait aussi qu'il parte soutenir la reine mère. Donc, c'était pas son compte. Donc, un peu. Donc, n'écoutez pas ce que les rageux disent que oh, Nicole, on t'a mis dans une maison, tu as dormi. Non, ce n'est pas passé comme ça. Donc, je dis merci. J'ai été payé par l'hôtel. Mon hôtel, c'était payé. Je n'ai jamais dormi. J'ai été payé. Mon hôtel était payé. Le dimanche, parce que la personne partait, elle rentre le dimanche avec son mari. Donc, elle m'a confié à sa soeur. C'est pour ça. Ma soeur était tellement gentille avec moi et tout, machin, ceci. Donc, là, je partais aussi. J'ai dit que, ok. On partait aussi quelque part. C'est tombé que j'ai trouvé quelqu'un là-bas. Et puis, donc, n'écoutez pas ce que les gens disent. Et tout. Il y a les belles personnes sur la toile. Il y a les belles personnes sur Facebook. Donc, j'ai été bien accueillie par la TKC. Très bien. Ne doutez pas de vous. Et Nicole Ketia va toujours servir ce qu'elle vous sert sur la toile. Je ne suis pas parfaite. Je suis impulsive. Mais j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Je connais vivre avec les gens. Je connais vivre avec les gens parce que j'ai été élevée par ma grand-mère. Et puis, il y a les caprices des enfants et tout. Mais je connais vivre avec les gens. Vous un peu. J'ai vu la dame la soirée, elle était gentille et tout, machin. La salle était, c'était joli, c'était bien. C'était bien, il y avait, c'était, on s'est bien amusé et tout. Ma pépé, son entrée était tellement belle, elle était jolie, elle doit être la guest star de la soirée. Elle était tellement belle. N'écoutez pas ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux. C'est juste la jalousie envers le diamant bleu. Les gens veulent la voir partir sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec les clashs, non. Qui n'a pas clashé puis que Ngoy sur la toile. Maman Pépé a fait quoi que Ngoy n'a pas fait. Mes chers frères et sœurs, c'est ce que je veux vous parler au Dieu à qui on fait. Je suis une fille bambliquée. Je suis bagantée 100%. Mon père, ma mère, mon arrière-grand-mère est bagantée. Je suis de la chefferie bagantée. Je suis une sondou. Je suis de la chefferie bagantée même. Je suis une vraie bagantée dans le sang. Dans le sang. Qu'on parle des bagantines. Je suis tchatché. Je suis ketcha. Je suis une vraie bagantée. Mais qui est venu sur la toile? Qui était soutenu par une femme quoi? Qui est le diamant bleu? Je suis quelqu'un que je ne chie pas. On m'a donné à manger. Je suis vrai. J'aime pas les choses que les gens font comme ça. Non. Les gens veulent voir maman Pépé partir sur la toile. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que les gens la détestent autant? Goy n'a pas fait quoi de mauvais? Qu'est-ce que Goy n'a pas fait de méchant sur la toile? C'est pour vous dire que la sorcellerie existe. Le maraboutage existe. Regardez les gens sur Facebook aujourd'hui.
Les gens applaudissent Goy. Goy qui a mis la sérologie d'une maman sur Facebook. Pablo Doc qui a dit qu'on va mettre maman Pépé dans le cercueil. Les gens applaudissent. Ils veulent. Donc maman Pépé doit être lapidée sur la toile. Parce qu'on l'a mis ambassadrice d'une soirée. C'est que forcément, on doit remplir la salle. Les gens doivent saboter la soirée. Donc on a pu mettre son affiche dans les soirées. Ben, si on met son affiche dans les soirées, les gens ne vont pas partir. Regardez comment l'être humain peut aller. Nous sommes tous des Camerounais. C'est grâce à ça que nous mangeons. C'est grâce à ça qu'elle mange. Mais qu'est-ce qu'elle a fait que d'autres personnes n'ont pas fait? Donc vous ne condamnez pas l'acte de Pablo Doc. Vous ne condamnez pas l'acte de Goy par rapport à ma mère. Vous voulez condamner maman Pépé. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait de mauvais que vous, les autres, n'avez pas fait? Vous n'avez un gosse. Goma pas. Tu n'as rien fait de mauvais. Tu n'as jamais péché. Ténèbres de Bamon, tu n'as jamais péché. Vous n'avez jamais commis d'acte parfait dans vos vies. La seule personne qu'on doit radier dans la toile, c'est maman Pépé. Radier définitivement, c'est maman Pépé. Vous avez oublié vous tous vos passés obscurs que vous aviez fait. Si. Hein? Donc, vous n'avez jamais commis de forfait sur la toile. Donc, vous avez oublié tout ce que vous aviez fait. Mais quand vous êtes réconcilié avec le démon de Facebook qui est Ngoy, la cible qu'il faut abattre dans Facebook, c'est le diamant bleu. C'est le diamant bleu. Jusqu'à la dame sort, la dame qui organise la soirée, elle sort. Elle ne parle rien de mauvais. Venez vous asseoir, vous dites que non, parce qu'elle a collé son image à ma pépé. C'est pour ça que les gens ne sont pas partis. Ce n'est pas faux. Je vois les gens dire que non, le truc de Aqua Palace, c'est parce qu'il y avait les abeilles, c'est pas ça. Non. Arrêtez de manipuler les gens. Goy a tapé photo. Goy a déjà tapé photo dans plusieurs soirées ici, aux États-Unis. Vous voulez qu'on sorte les vidéos? Les mouches? Vous voulez qu'on sorte les vidéos que votre patron a déjà tapé poteau? Même au Canada, poteau, pour la salle était vide. Vous voulez qu'on sorte les vidéos? Vous voulez qu'on parle de la soirée de l'année dernière? C'était plein parce que c'était le gratuit. C'était le gratuit. On était étouffés. Pourquoi autant de jalousie? Vous n'êtes pas fatigué de faire le mal aux gens? Vous n'êtes pas fatigué de faire du mal aux gens? Dont votre patron doit s'asseoir, doit lécher ses fesses? Parce que maman Pépé n'est pas ce genre de personne qui lèche les fesses d'une autre femme pour manger. Qu'elle a dit non. Vous êtes prête à tout pour la détruire? Est-ce que c'est normal? Ça fait peur. Ça fait peur. Vous n'aviez pas honte? Vous avez chalé sur une seule personne? Mamboma, tu as subi ce même harcèlement l'année dernière. Mamboma, tu as subi ce même acharnement. L'acharnement que maman Pépé subit, tu as subi ça l'année dernière. Propre. Par les gens avec qui tu es aujourd'hui. Pourquoi tu ne dis pas stop à ça? Parce que ça t'arrange. Parce que depuis que maman Pépé est partie et tout dit, tu n'avais pas dormi. Tu peux mourir. Et tout dit là. Tu peux mourir étudié. Tu es dans tous les directs. Tu manigances dans le noir. Pourquoi faire du mal à ta propre soeur camerounaise? Et puis tu sors le pot. Tu dis que non. Tu n'es en paix avec paix. Tu n'es pas en paix avec maman Pépé. Tu sais ce que tu as envie de faire, manigancer dans le noir. Parce que si les gens s'assoient avec. Ça fait ton nom qu'on s'assoit. Ça fait ton nom qu'on s'assoit. Pour faire du mal à ta propre soeur. Avec qui tu as fait la paix hier?
C'était la paix de la sorcellerie. Ta paix n'était pas vraie. Mais je vois tes adeptes abeilles s'asseoir pour dire que non, elle a mis maman pépé dans la bouche. Mais quelqu'un dans la peau, c'est synonyme de sorcellerie. Non. Arrêtez de manipuler les gens. Vous êtes en train de la détruire, vous êtes en train de tuer une seule Camerounaise devant nos yeux. Les gens ne voient pas. C'est trop d'acharnement sur une seule personne. C'est pas bon. La toi Camerounaise fait peur. Quand je vois Raven Binda, une personne qui était incapable, que le Watt a laissé avec les dettes dans la maison, elle se retrouve dans un campo en Allemagne qui s'acharne sur une soeur depuis des années. Vous ne dites rien. Raven Binda, ta propre soeur Pipi a déjà rempli qu'elle sale à Paris. Raven Binda, Raven Binda, ta propre soeur Pipi a déjà rempli qu'elle sale. Elle était ta propre soeur Raven Pipi a rempli qu'elle sale à Paris, ma chérie. Viens nous dire. Elle a été guest star dans quelle soirée? Raven Binda, ta propre soeur a été guest star dans quelle soirée, ma chérie? Arrête ton harcèlement. Ta propre soeur Pipi a été ici en Allemagne pour parler des femmes battues. Il n'y a même pas 10 personnes dans la salle. Raven Binda. Il n'y a pas 10 personnes. Toi, tu étais incapable d'aller encourager ta propre soeur en Allemagne. Ta propre soeur a tapé poteau en Allemagne. Tu ne vois pas ça. Tu es sur Ngondja tous les jours que Dieu a créé. Ce n'est pas le doute que c'est quoi. C'est la plus sorcellerie. Tu es la plus mauvaise de Facebook. Tu n'as pas de starmania sur le vampirisme, Raven Binda. Sur le vampirisme, maman. Tu peux manger. Tu es incapable d'élever ton propre fils. Tu l'as fait rentrer au Cameroun. Pour rester sur Facebook, a fait le clash. Pour être star dans Narien. Tu vis où? Dans le social. Tu n'as même pas les papiers. Tu n'as pas les papiers. Si je mens, prends le vol. Tu pars à Paris, le vois. Tu ne peux pas prendre le vol. Paye tes papiers, c'est pour l'asile politique. Mais tu t'assois sur une soeur camerounaise. C'est méchant. Mais c'est quoi la fin? C'est méchant. Vous m'avez condamné par rapport à ça. Vous m'avez condamné comme moi je m'assois jusqu'à ma mère pour faire le Ndjangi. Hein? Raven Binda, tu m'avais condamné pour ça. Vous avez hanté ma propre mère où elle vivait là-bas. Elle a fui avec sa tête. Mais toi, tu t'as chargé sur une seule Camerounaise pour rien. Elle t'a rien fait. Tous les jours, tu es sur la fille de Tui. Tous les jours, tu es sur sa vie. Ya, maman, c'est la sorcellerie que tu commets. Mais je ne vois pas Ngoï, Satan, sa soeur, elle te dit arrête ça. Moi-même, je vous jure, mon père qui est mort, il avait 6 ans. Je veux dire la vérité aujourd'hui au Camerounais. Le jour que moi, j'étais allé dans le direct de la reine Mébio, ça n'a pas plu en Ngoï. Ça n'a pas plu en Ngoï. C'est le jour-là que Ngoï a commencé à me lancer les pics. Je lui ai dit que Berthe, je l'ai écrit. Je lui ai dit que chaque fois que tu me versais, tu fais c'est quoi? J'ai un enfant. Je suis mis au foie, je suis un enfant. Elle me dit que non, tu comprends trop. C'est là qu'elle m'appelle. Elle me dit que non, qu'il faut que je dois parler doucement et ne clash plus trop. Je demandais à Ngoï, Satan, que Ngoï, toi tu es en train de me demander d'arrêter d'insulter Pipi. Pourquoi toi tu ne dis pas à Raven Binda d'arrêter d'insulter ma pépé? Moi, j'ai dit ça au téléphone à Ngoï ce jour. Elle m'a posé la question que Nicole, est-ce que tu m'enregistres? Je dis que non, je n'enregistre pas les gens. Moi, Nicole, que je n'enregistre pas les gens avec qui je cause. Non, je n'ai jamais enregistré personne avec qui je cause. Non, je lui ai posé la question. Elle m'a répondu que ça ne la regarde pas. On n'était pas encore gâté. Non, c'était encore au début qu'elle venait sortir sur moi là. Quand je partais, elle écrit en inbox pour dire qu'elle arrête de me parler en direct, en plein live. Elle m'a dit que j'aime trop compliqué. C'est là que quand elle m'appelle, elle me dit que lui était venu chez la reine mère bio. Je dis que mais toi tu as fait la paix avec Pipi. Elle m'a dit que oui, elle m'a vu chez la reine mère bio. Je dis que mais toi tu as fait la paix avec Pipi. C'est que moi je lui ai dit, tu as fait la paix avec Pipi. Moi je lui ai dit, et moi je lui ai posé la question, que pourquoi tu ne dis pas aussi à Raven Binda d'arrêter de sa chanice. Et ça t'avait encore ma pépé.
Ce n'est pas les choses qu'elle s'attendait encore avec ma pépé. J'ai même dit ça à ma pépé après. Elle peut vous témoigner. Je l'ai dit après. Elle s'attendait encore avec ma pépé. Je lui ai dit ça. Que pourquoi toi, tu ne dis pas, Rêve Mbida, d'arrêter de s'acharner sur ma pépé. Elle m'a dit que ça ne lui regarde pas. J'ai dit que merde. Mais vous ne voyez pas ça? Mais c'est grave. Personne ne dit rien. Mais quand c'était pour Nicole Kedja, on a failli me tuer sur la toile. Vous voyez comment la toile est conçue. Regardez comment votre book. Regardez la toile camerounaise sur Facebook. Regardez. Une fille comme une personne. Une fille insignifiante comme Rêve Mbida. Qui n'a rien fait. Elle est venue à nous. Elle soi-disant a travaillé à la banque, à la BA, à Bonapriso. Elle ne connaît même pas la Bonapriso. Elle dit qu'elle est sortie du fin fond de Kribi. Elle ne connaît même pas la ville à Kribi. Elle arrive en Allemagne. On lui donne un what, un vieux papa, what, qui fait un mariage blanc. Le what qu'on connaît, qu'on a su, qu'elle a fait un enfant noir. Le what lui a fait signer un crédit. Que c'est le crédit là qu'elle paye jusqu'à aujourd'hui. Le what a fui. Il a gagné la maison. Elle était obligée de partir demander l'asile politique. C'est la haine de ça. Elle dit qu'ils sont partis à l'école. Elle est partie à l'école. Voilà l'école là, sur Facebook. En train de s'asseoir sur la vie privée d'une femme comme elle. Vous trouvez ça normal? Mais vous, c'est maman, ne dites rien. Hein? Là, c'est normal. Là, c'est... Mais vous, c'est maman, vous m'appeliez tous les jours qu'elle doit laisser Ngoï, Sata. Elle doit la laisser. Elle doit laisser sa mère. Dans votre soeur qui est perpétue malais, elle n'a pas le droit au soutien. Donc s'assoit sur elle tous les jours. Une fille doit s'asseoir, faire son blogging sur une personne. Vous ne trouvez pas que ça c'est trop? Vous ne trouvez pas que ça c'est trop? Parce que c'est comment elle fait. Pipi, elle a eu effet sur elle. Hein? Elle a eu effet sur elle. Elle a eu effet sur elle. On m'a appelé pour me dire, elle pleurait dans les dégâts. Elle a eu effet sur elle. Mais vous ne dites rien. Ça, c'est la pure sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Vous bloquez ses pages. Vous voulez détruire sa propre vie. Même son plan quotidien, vous voulez détruire. C'est la pure sorcellerie. Il faut arrêter ça. On est tous des enfants du Cameroun. Nous venons d'un même pays. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Ça, c'est l'harcèlement. C'est quoi? Votre père de merde, c'est pour venir tuer une personne? Hein? Vous venez tuer une personne? Elle arrive au Cameroun, fait les dons. Vous manigancez qu'on apporte plainte au pays, pour qu'on la ferme au Cameroun. Vous tournez la tête d'un handicapé. Pour qu'il ne dise que non, elle était pro-sénèque. Tout pour qu'on la ferme au pays. Parce qu'elle crée un corpuscule de blogueurs pour venir détruire une soeur camerounaise sur la toile. Est-ce que c'est normal? Mes chers frères et soeurs, mes chères mamans, quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Mais moi, non. Les gens avec qui maman Pépé était là hier, les précises de la classe, mais tout ça, sont dans le même ballot. Qui ont appelé maman Pépé leur tante sont dans le même ballot aujourd'hui. Ils sont dans les directs où on est en train de la finir une soeur camerounaise. Parce qu'on est dans le game de Facebook. Il faut arrêter. Ça fait même pleurer. Ça fait pleurer. On se demande où va le Cameroun de demain. C'était une paix hypocrite que vous aviez fait. Demandez aussi à cette poubelle de stopper ça. Demandez à cette poubelle de stopper ce qu'elle est en train de faire sur une soeur camerounaise. Parce que votre patron a eu ce harcèlement hier l'année dernière. Cette maman pépé est sortie de son lit de l'hôpital. Elle est venue soutenir votre patron. Malgré que votre patron avait demandé le catch-up à Noé. Vous les avez vous oubliez vite. Vous êtes les premières victimes sur la toile camerounaise. Vous êtes en train de jouer sur la poche.
que je l'ai mis dans la poche. Mais vous oubliez que votre patron, votre démon de Facebook, avait appelé le social, le Kacham sur Noé, un enfant qu'on a retiré au Cameroun. Pour qu'elle vienne trouver une vie meilleure en Europe. Votre patron a appelé le Kacham. Les gens ont appelé le social. Jusqu'au du maman Pépé est tout dedans. Mais cette femme avait un bon coup, elle a laissé tomber pour la paix. Pourquoi pas vous, ces mêmes abeilles, vous ne laissez pas tomber cette, vous ne laissez pas tomber ça. Pourquoi vous, vous voulez détruire le pain quotidien de votre soeur avec qui vous étiez hier? Pourquoi? Pourquoi? Je me pose la question. Quand ça vous arrange. Parce que maman Pépa a dit que non, elle ne prête pas les gens dans votre démon de Facebook. C'est ça qui lui coûte tout ça aujourd'hui. C'est ça qui lui coûte tout ça aujourd'hui. Entre mettre dans la poche et appeler le service social pour un enfant, qu'est-ce qui est plus grave? Je vous pose la question. Je sors les archives. Parce que Nicole Kétia, je suis prête pour ça. C'était devant nous, hein. Elle était en tenue militaire. Elle était en tenue militaire. Parce que j'observe seulement. J'ai pas envie, on n'est pas venu. J'ai toujours dit que si vous voulez, on gâte Facebook, on reprend à zéro. Je suis prêt pour vous. On gâte Facebook, on reprend à zéro. Je vous pose la question, vous les mouches de Facebook. Parce que vous, vous avez trop joué aux victimes. Entre mettre une personne dans la poche, hein, et appeler le service d'immigration pour un enfant qui est quitté du Cameroun. Parce que Noé, en ce moment, Noé avait 6 mois. Noé avait 6 mois. Goy Sata a appelé l'immigration pour le Kacham de Noé pour que Noé rentre au Cameroun. De vous à moi. On ne parlait pas trop. Qui est plus dangereux? C'est maman Pepe ou c'est Ngoy? Parce que l'enfant de 6 mois, vous connaissez la galère du pays. Maman Pepe a fait les efforts. Elle est allée prendre l'enfant au pays pour venir éduquer, pour venir donner une vie meilleure. Grâce à cause des clashs, Goy s'est assis sur Facebook pour demander le Kacham à l'enfant. Ils ont, les abeilles ont appelé, ils ont appelé le Kacham. Pourquoi Noé doit rentrer au Cameroun? Pourquoi Noé doit rentrer au Cameroun? Mais maman Pépé avait un bon cœur. Cette femme, chapeau. La Técasse, il y a beaucoup de Técasse qui sont partis ce jour. Grâce à leur père maudite. J'appelle la paix là comme une paix maudite. Ma Pépé a perdu beaucoup de Técasse à cause de leur paix. Parce que maman Pépé, elle ne voulait plus la guerre. Elle voulait passer à autre chose. Mais Ngoy s'est dit que mieux être avec son ennemi pour mieux la battre. Parce que quand Ngoy venait, mais maman, elle ne venait pas vraiment pour une vraie paix venir à battre. Mais comme Marie-Josée, c'est une femme qui prie le chapelet. Maman, il y a mon chapelet. Elle prie au salut Marie. Ça a permis que Ngoy, son démon là, doit se retirer. Parce que comment quand quelqu'un vient chez toi, même si la personne t'a vu nue, elle vient t'exposer sur Facebook. C'est la plus sorcellerie. C'est ça, c'est dit que ça, c'est Dieu avec vous devez trop jouer aux victimes. On sort les vidéos. Je suis très forte, c'est du YouTube. On sort les vidéos. On sort les vidéos. Vous faites trop les postes pour parler de ça. Hein? Pour parler dans la poche. Que oh, elle a mis notre patron dans la poche. On sort les vidéos où Ngoy Sata était assis. Elle a demandé au cachet sur un enfant de 6 mois. 6 mois. Et Ngoy le sait. C'est pour ça. C'est ça qu'elle a payé. Sa tête en donnant l'argent des beignets à Noé chaque fin du mois. Vous croyez que Ngoy est bête? Mais quand je vois Ngoy, c'est toi. Parce que moi-même, Ngoy, t'avais appelé. Il t'avait dit d'arranger ce problème. Tu as dit que non, ce sont les abeilles. C'est eux qui décident. Ben, toi, tu veux dire, comme je vais payer ta tête pour Noé, tu, en donnant l'argent des beignets chaque fin du mois, là, tu as fini de payer ta tête. Tu as dit que, ah, tant pis, je prends ma route. Tu vois, aujourd'hui ta soeur camerounaise, d'où tu allais faire la paix, où on t'a tué hier, on voulait te tuer l'année dernière, hier. Savais que tu es aujourd'hui. L'autre, ça soit Ngondjal, matin, midi, soir. Elle ne lave même pas ses fesses. Ngondjal, tous les jours que Dieu a créé, elle est une seule personne. En voulant détruire une camerounaise. En voulant prouver que d'eau, même si on invite maman Pépé dans une soirée, ne partez pas, elle ne peut pas remplir les salles, ce n'est pas ça. Non, arrêtez, la TK c'était bien là.
C'était à cause des Jeux Olympiques. Même moi-même. Le Uber était cher. Le I. Tous ceux qui savent Paris. Qui sont dans Paris même. Les Jeux Olympiques, les métros. On vend le ticket à 5 euros. Pour le métro, pour une journée. Le bus, n'en parlons plus. Le Uber, Volt, Hitch, le taxi, c'est n'en parlons plus. C'était cher. Tout est cher en ce moment à Paris. Ce n'est pas facile de sortir. Et les routes sont barrées. Arrêtez vos hypocrites de Facebook. Pourquoi vous les faites croire? Elle sort, elle parle un truc de Facebook. Ça n'a rien à y voir avec le diamant. Tout le monde clash dans les réseaux sociaux. Reven Binda, ta propre grande soeur, elle a déjà été guest star dans quelle soirée? Viens nous dire. Elle a déjà été guest star dans quelle soirée, Reven Binda? Nulle part ailleurs, nulle part. Je suis la vieille femme. D'où la reine Nel Bio était partie à la soirée la dernière. Jusqu'à hier, il y a encore la paix avec Ngoy et Maman Pépé. Il y a les gens qui avaient souillé le morguier. Il n'y avait pas autant la soirée là. La dame là a payé Reine Bio et Pipi pour faire la talakou de sa soirée. C'était une couturière. Elle avait tapé poteau. Reine Binda, ta soeur était guest star là-bas. Elle a eu honte d'aller parce que Papa Otama était dans la soirée là. La soirée avait tapé poteau. Maman Pépé m'a fait mieux. Les tables étaient vides. Je sors la vidéo. Reven Binda, je sors la vidéo. La jalousie. L'intonga. Bande de haineuses. Heureusement, nous les vrais parentés, nous ne sommes pas haineuses. Comme moi, Nicole Kitcha. Je n'envie pas les gens. Je me contente de ce que le Seigneur me donne. Tu me donnes la. Tu viens chez moi, la robe ici. Si les gens l'ont vu, il ça fait à deux fois qu'ils. Tout, même dans la vraie vie, je ne prête pas les habits aux gens. Nicole, non. Je suis fière de ce que je suis. Bande de haineux. Vous n'êtes jamais les barantis. Vous êtes des ntonga. Les ntonga sont les haineux. La majorité, parce que vous connaissez les vrais ntonga. Ils ne sont pas comme vous. Trop jaloux. Haineux. Quand toi, tu t'assois, tu fais le direct. Ta grande soeur est mieux que Maman Pépé. Reven Binda. Ta grande soeur, ta soi-disant, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ta soeur, Reven Binda. C'était vraiment ta propre soeur. Ce que Pipi est au Cameroun, elle t'aurait confié l'usuria. Tu es une fille bête. Tu es là à faire les directs. L'usuria se pavane dans les maisons en Reims. Tu n'as pas honte? Tu es une femme. Comment se fait ça? Se fait maintenant toi et moi. Vraiment une racaille, une saute comme ça, mon frère. Tu t'assois sur une seule camionnette, tous les gens ne disent rien. Tu as qu'on a peur de toi, poubelle de la nature. Hein? Je serai en Allemagne. Si tu es une femme, je me trouver en Allemagne. Hein? Tu t'assois, ta propre nièce est où? Elle est où? Elle est à Rennes, dans la maison des gens. Tu es une femme, toi. Avant de parler du diamant bleu, regarde-toi bien dans la chaussure. Regarde-toi bien dans le miroir. Pipi qui est ta soeur. Ne te fais pas confiance. Elle fait confiance aux inconnus. Par contre, Maman Pépé, quand elle part, elle est son mari, son enfant, soit son mari, soit sa mère. Elle ne laisse pas son enfant aux inconnus. Tu as compris, ma chérie? Poubelle. Tu es dans l'asile politique, tu aimes parler aux gens forts. Tu t'assois, tu insultes une femme tous les jours. Toi, tu es quoi? Regarde les seins. Regarde tes seins. Tu ne veux pas le soutien à ta taille. Regarde-moi. J'ai pas porté le soutien, hein. Ça. C'est la vie avec. Ça vient comme le soutien. Tu peux porter ça. Tu viens de faire les diètes le filtre. Tu fais les diètes avec le filtre. Tu parles aux gens. Moi, j'ai pas mis le filtre. Hein. C'est mon thème. Arrête ces moments donnés. Il faut arrêter ta merde que tu fais tout le temps là. Tu en as peur de toi, ma chérie. Hein? Va chercher des papiers. Va chercher tes Carolo. Tu te racontes. Va chercher tes papiers. On te trompe. Tu n'as pas honte. Tu crois que les Barça vont t'aimer? Tu crois que les bassins vont. Tu vois que Goba Pa un peu t'aimer? Hein? Goba Pa était sorti un jour. Quand celle-là avait mis les nudes de tonton Chéri, de tonton Achidéo. Goba Pa est sorti, dit que non, c'est pas ma pépé. Tu n'as rien compris. Ça a chamboulé votre cerveau dans votre team de merde là. C'est quand Pablo Bioc est sorti, tu dis que non, c'est maman pépé. Tu as compris? Goba Pa, si maman pépé dit que la paix, donc elle va courir. Tu es bête. Tu vois que tu vas coincer, tu vois que tu vas venir mettre ton venin dans la famille des gens tout le temps. N'aie pas honte.
Hein, quel est ton problème? Hein? Votre famille, d'abord, ta propre tante qui est malade à ton gars, elle a troqué les millions de Camerounais ici pour le visa. Tu n'es pas mal de ça. Hein? Tu voulais détruire la famille des gens. Hein? La famille souvent, j'ai mis pareil. Votre sorcellerie, là, c'est même quoi avec vous? Tu n'as pas honte? Une fille comme toi, une femme comme toi, qui a plus de 40, qui a plus de 50 ans. Tu t'assois souvent tous les jours. Tu dors la nuit. Après, elle va brancher les choses de l'église. Oh Dieu, 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 Dieu. Tu utilises la petite visite de ta soeur pour venir détruire les gens sur la toile. Hein? Comme tu laves les abeilles. Les abeilles haineuses qui montent dans tes lèvres, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Tu as compris? Mais arrête ça. Arrête ça, c'est quoi? Tous les jours, une seule personne, une seule personne tous les jours, son nom, c'est pas son nom, c'est son gars. Tu es amoureux de Thierry, tu es amoureux de son mari, mais va le prendre. C'est cadeau qu'il t'a donné, va prendre. Va, tu vas accepter. C'est quoi? C'est quoi? On est fatigué, ma chérie. Arrête ça. Je veux sortir la vidéo où tu insultais ma Anna. Tu veux que je te fasse ça? Hein? Tu veux comme moi, Nicole, je sorte et remembre à Mbinda. Parce que toi, tu veux montrer aux yeux du monde que maman Pépé est la plus mauvaise de Facebook. Rêve Mbinda. Toi, tu veux montrer aux yeux du monde que maman Pépé est la plus mauvaise de Facebook. Toi, tu as fait le sale. Tu as fait le sale sur la toile. Tu as insulté ma Anna. Tu as insulté Ngoï. Ya! Yeah! N'aimez pas. La grande soeur clashée. Voilà ta grande soeur. Elle n'a rien eu de Facebook. Ta grande soeur, elle est dans la rue à Reims. Le temps que tu paies là, tu peux héberger ta grande soeur en allemand. Tu vas l'héberger. Tu as une maison. Tu as qui? Tu n'as personne. Mais aucun nom ne peut t'assumer. Tu as couru derrière tonton Achille là pour qu'il combat avec toi. Il a dit qu'il ne combat pas avec les diamants. C'est ça qui peut te tuer. Tu peux faire. Tu sens que tu as la rancœur avec le diamant bleu. C'est son problème sur le gars qui ne couche pas avec vous. C'est son problème sur le gars qui ne couche pas avec vos rêves, Mbida. Les femmes que les hommes ne parviennent pas à assumer. Aucun nom ne vous assume. Quand l'homme vous niaise dans le noir, il faut voir même son clone, le père de sa fille là. Un clochard. Un cloche. Vous voyez le gars là. On ne dit pas que la créature de l'homme est Dieu. Mais vous voyez le gars là. On demande ça gratuit, tu ne prends pas. Va le genre de gars que vous prenez. Va le genre de gars. Dis que mets la photo du père de Marie. Tu mets pour ton gars en voix. Tu mets pour ton gars en voix. Ya! Yeah! Le gars était incapable d'assumer l'enfant. L'enfant, père inconnu. Tu as dit parler aux gens chaque jour. Hein? Je saute et remembre. Mais arrête, arrêtez ça. Donc c'est elle la seule personne qui a fait le sale sur la toile. Donc vous êtes tout parfait sur. Donc vous êtes tout parfait sur. Vous êtes parfait sur la toile. Hein? Vous êtes parfait sur la toile. Vous n'avez jamais rien fait de mauvais sur la toile. Tout le monde est parfait sur la toile. Arrêtez ça à un moment donné. C'est la pure méchanceté. C'est la haine en outrance. Elle vous a fait quoi? Hein? Elle vous a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi sur la toile? Moi, Nicole. Sortez-moi une vidéo que j'ai clashé quelqu'un voit. Tu ne clashes une personne sans m'a provoqué. Même rêve mis à toi. Je t'ai jamais insulté. C'est toi qui as commencé à me provoquer. Parce que tu es qui acheté sur ta soeur. Mais moi, je suis une bloqueuse. Tu t'acharnes sur une personne. Sur une soeur camerounaise, sur une maman. La maman des orphelins. La maman des orphelins, tu t'acharnes sur elle par quoi? Moi, je suis orpheline de père et de mère. Je suis orpheline de père. Je suis orpheline de père. Hein? Mon père, ma mère est morte. Ma mère est morte. Tu la souhaites. Tu la souhaites que votre maman est morte. Hein? Ta mère est morte. Tu étais à grande. Mon père est mort. Il avait 6 mois. Il avait 6 ans. Je n'ai pas bien vu mon père. Mon père est mort. Il avait 6 ans. Tu comprends? L'amour paternel, je n'ai pas reçu. Tu as compris avec quoi, Rémi Mbinda? Hein? Arrête ton acharnement sur une personne. Arrête ça. Elle est la seule sur la toile? Hein? Elle est la seule personne sur la toile? Tu t'acharnes sur elle tous les jours? On va faire ça. Tu sors, on sort. Rêve Bida, on va faire ça sur la toile maintenant propre.
toi et moi, on va se faire ça. Tu sors, je sors. Avec tes remembers et ta soeur. Donc c'est l'image du personne qui est gâtée. Ta propre soeur, là j'avais organisé une soirée. Malgré ses multiples de vues, malgré ses multiples vues, les multiples vues qu'elle fait sur la toile, on n'a jamais pris ta soeur pour être guest star dans une soirée. Rien. Voilà la soirée de l'Espagne. Qu'elle est pas. Elle est comme une folle. Même pas une entrée, rien. Elle est partie en Allemagne. Elle se met à danser. Elle demande l'argent aux abeilles. La honte de ça. La honte de ça. Tu comprends qu'on ne vous aime pas sur la toile. On vous utilise. Même un bon moment vient vous utiliser. Est-ce que vous n'en voulez pas la peine? Vous êtes bête. Vous devez réfléchir. Qu'elle vous utilise à sa guise. Vous êtes compris avec quoi? Vous pouvez parler. Hein? Vous pouvez parler. Elle a vu la vie de sa copine parce qu'elle dit que wow, elle était éclate, élégante. Vous pouvez parler. Chou! C'est elle qui vous commande. Elle vous commande de vous. Mais elle ne commande pas le diamant bleu. Ta petite, ta grande, c'est comme un petit toutou. Elle valorise une femme comme elle. Elle a calmé ses parents dans un clochard. Tu es ta soif venir parler d'une personne qu'on a invitée dans une soirée, une guest dans une soirée. Tu deviens avoir honte. Raven Binda, tu deviens avoir honte, ma chérie. Honte. Qu'on ne parle que de ta propre soeur. Mais, c'est l'harcèlement. C'est l'harcèlement. Tu harcèles cette femme. Tu la harcèles. Tu veux ôter sa vie. Tu veux ôter la vie de cette femme. Tu veux ôter sa vie. Tu vas en dessoudre avec elle. Même ça, mais ça, elle est dans ses perruques. Tu pousses les gens dans la haine. Dans la haine. Tu as dit donc, il va revenir. Il va revenir, il va faire quoi? Il va revenir, il va faire quoi? On n'a pas clashé avec qui que. Le clash va te donner quoi à qui sur la toile, maman? Il va revenir, il va clasher, il va dire quoi? C'est un perdant. Parce que vous ne l'aimez pas. Hein? Vous ne l'aimez pas. Le clash paye encore quoi? Ça ne paye plus, ça paye le temps. Vous avez compris? Tu ne dis que de ça. Ta propre soeur a clashé depuis des années. Elle n'a rien gagné dans le clash. Elle n'a rien gagné dans Facebook. Pourquoi tu veux dire prendre le relève du clan et la haine? Ben, t'as pas encore, c'est grave. T'as pas sur un harcèlement. Raven Binda, t'as pas sur un harcèlement. Tu harcèles la personne. Mais les gens t'encouragent. Attends, mais c'est comme ça, ma personne qui m'a dit qu'il y a des gens qui se tombent les têtes de mort. Vous savez comment j'ai baillé les commentaires? Si je ne baille pas les commentaires. Hein? Oh, ma soeur m'appelle, ça dit qu'il y a un métier de moi. Moi, j'ai décidé maintenant avec toi. J'ai décidé maintenant avec toi. Je n'ai pas voulu sortir la vidéo de la maman de Doudou Ngamba. Parce que je la respecte. Raven Binda, sale fille. Là, quand tu le sens, tu es moche. Tu es moche. Regarde-toi dans un miroir avant d'insulter une femme comme toi. Qui n'a pas, pas le soutien à sa taille. Tu envies la vie de maman, pépé, papa, quoi. Elle est tout ce que tu veux dire. Mais il y a un homme qui l'assume. Mais toi qui t'assumes, toi, ma chérie. Le père de ton enfant t'a chassé. Père inconnu. Tu vis la zachère. D'où tu habites là-bas. Tu couches avec les beaux ailleurs. On te couche dans les gandas. Partout. On va parler de toi. Sors, tu sors, je sors. On se fait ça sur Facebook. Vous exagérez. Vous exagérez votre haine. Ta haine, c'est grave. Ta haine, là. C'est grave, Raven Binda. On m'appelle pour me dire quoi. Allô, maman? Ah. Oh. Ah, ok, 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 c'est ok. Ok. Mm-hmm. Non, je rectifie, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Goy ne donnait pas l'argent à Noé tous les fins du mois.
Goy donnait l'argent, elle a donné l'argent à Noé une seule fois. C'était en plein direct, donc c'est vrai. Je rectifie. Mais mon frère, ce n'est pas normal. Rêve Mbinda. Tu sors sur maman Pépé encore. Moi, je sors sur toi et ta soeur. Je vais mettre les remèmes bas. C'est comme ça, ne choque pas. Mais c'est comment? Tu es sur une personne tous les jours, maman. Tous les jours. Hein? Ta propre vie ne donne même pas. Tu peux parler de quelqu'un quand tu es encore dans ta propre maison. Tu es dans un campo en Allemagne. Tu n'as même pas les papiers, tu n'as rien. Tu vis du social. Une fille qui est venue en Allemagne en tant qu'étudiante se met avant les perruques sur Facebook. C'est grave. C'est grave. Devenir une clasheuse, c'est grave. Tu es une envieuse. Depuis que tu brandis le nom de Caribou, elle ne va jamais te prendre en tant que son ingénieur. Tu es une poisseuse. Jamais. Tu vas appeler le nom de Caribou tous les jours dans ton lit. Elle ne va jamais te prendre pour son ingénieur. Tu vas taper poteau. Elle ne prend pas les racailles comme toi. Tu penses qu'elle est bête? Tu as cette femme, tu la toi tous les jours. Mais il faut arrêter ça. Mais je vois, on ne dit pas, on ne dit rien, vous ne dites rien, pas quoi, quoi. Ce qu'elle était Nicole Ketcha. Oh, Nicole. Oh, il faut laisser. Oh, c'est l'harcèlement. Oh, c'est si. Mais, Révi Binda est assis sur une soeur camerounaise tous les jours que Dieu a créé. Elle fait 3 heures de dire sur quelqu'un. Mais vous ne dites rien. Quand je vais commencer, je ne vais pas m'arrêter. Quand moi, quand je vais entrer dans ta propre vie, je ne vais pas m'arrêter avec toi. Et je serai en Allemagne. Et je serai en Allemagne. Je serai ce que tu as fait à ma mère. Je serai en Allemagne sur toi. Tu n'as pas les papiers, Révin Binda. Tous ceux qui m'ont offensé, qui n'ont pas les... Je serai en Allemagne pour toi, ma chérie. Perdu comme ça en Allemagne, qui n'a rien, qui est parti en commission, inventé dans sa propre vie, dit comment la harceler au Cameroun. Tu es une femme, toi? Tu es une femme? Moi, je suis une femme. Je ne suis pas parti en commission. Je suis entré en tant qu'immigrant, mais je n'ai jamais, je ne suis jamais parti en commission. On ne m'a jamais interdit parce que j'ai accouché un enfant italien. Jamais! Tu pars en commission, une bande dans ta propre vie, tu es là dans la vie politique, on te reste tranquille, tu t'assois sur Facebook, tu inventes ce monde d'une famille, non, parce que quoi? Tu vois, tu es quoi? Tu es qui? Qu'on a peur de vous? Hein? Il y a de dire rien? On va commencer à faire dans ta propre life. Tu vas être star apparemment. Tu vas être star apparemment. Hein? Tu vas être star apparemment. Pauvre fille comme ça, mon frère, qui n'a même pas 1 000 euros dans son compte, elle quémant l'amour des abeilles. Une fille envieuse comme quoi? Tu es très envieuse. Tu es envieuse, ma chérie. Hein? Tu es envieuse. Vous avez fait tout pour séparer. Vous avez gagné, non? Elle vous a laissé. Mais prenez même doucement, non? Partez avec, non? Non. Ça ne vous suffit pas. Il faut que tu écrases. Tu dois voir celle-là que tu oses appeler même Pépé, tu m'allais. C'est ton égal. C'est ton égal, Binda. Tu peux t'asseoir au même niveau que ma Pépé. Tu peux porter son habit qu'elle a. Tu peux porter les talons. Il fallait la voler, tu partais manger là-bas avec le coupe par Boulodor. L'habit qu'elle a porté sur elle. Elle ne peut même pas s'habiller. Une villageoise est tentée. Hein? Elle va être aussi star. C'est pas facile à ta manière, ma chérie. Quand tu pars, tu dors où? Qui peut t'inviter? Qui peut payer l'hôtel pour toi? Tu pars serrer chez Michel Apega dans son petit appartement là-bas à Paris. Elle est derrière Paris. Hein? Vous allez comprendre que vous ne serez jamais star. Qui peut payer l'hôtel pour vous? Même ta propre soeur, elle ne quittait pas à Monaco. Elle n'a pas escroqué la vieille bombe qui est à Monaco là-bas. Pour qu'on paie sa petite chambre. Pour qu'elle dorme à Monaco. Qui peut vous inviter? À part vous donner les nez derrière Facebook. La jalousie peut vous tuer. Sois aussi guest dans une soirée, on voit. Toi, tu peux être guest star dans une soirée. Tu viens profiter de la petite visibilité de ta grande soeur. Ta grande soeur n'est même plus visible. Malgré ça, laisse aussi. Tu apportes la haine, la méchanceté, la maigrotité. Tout, c'est toi. La jalousie, c'est toi.
À un moment donné, il faut aussi arrêter. Les gens, il faut aussi arrêter. Tu peux faire vu ignorer. Tu sais trop mal comment venir parler. Hein? Tu sais trop mal comment venir parler. Je vais te montrer que moi, je suis femme. Rave Mbinda, j'ai mes Kaolo. Moi, je vais te montrer que je suis femme. Ce sera en Allemagne. Ce que tu as tous les vidéos que tu as affichées, ma mère, c'est moi qui t'ai dit. Je vais te traiter en justice en Allemagne. Tu comprends? On t'attaque par moi. Je vais te traîner en justice en Allemagne. Si tu es derrière les claviers là, tu vas fermer ta bouche. Tu connais les Allemands. Tu es dans les pays, tu ne travailles même pas. Quand on t'a clashé les gens. Quand je faisais ça à ma mère, j'ai rié. Il dit que celle-là, même, c'est pas qu'elle n'a même pas les papiers. J'ai mes kaolo dans ma poche. Tu connais mes papiers? C'est qui est dans mon permis de séjour? C'est tellement puissant. Quand ils montent ça, l'immigration, partout, je pars comme un respect, il y a un se levant. Hein? Je vais te poursuivre en Allemagne pour l'affichage de ma mère sur ta page. Je te jure, mon père qui est mort. Tu vas me payer. Comme la dernière fois, quand Goy avait mis la loquette de ta mère comme ça, tu as dit que tu vas poursuivre un Goy en justice. Tu es parti chez Fabi Aouloma. Tu as mis le PayPal. On a personne à cotiser. Mais moi, Goy, moi, Nicole Ketcha, je vais te poursuivre en Allemagne pour afficher de ma mère. Je vais demander aux Allemands si ce sont eux qui t'ont envoyé. Tu es sur Facebook, tu ne travailles pas. Tu as travaillé quoi en Allemagne? Tu le sais à quoi? Tu sais à quoi? Tu sais à quoi en Allemagne? Ils te donnent leur argent gratuitement. Ils hébergent un enfant qui n'a même pas de père. Va travailler pour ta fille. Tu étais incapable de donner ton premier fils. Tu as envoyé ton fils au Cameroun. Mais indigne. Tu as dit parler de ma pépé. Tu as dit parler de ma pépé. Tu mets indigne. Tu as coupé ton propre fils dans tes propres entrailles. Ton fils. Hein? Tu l'envoies au Cameroun. Tu es incapable d'aider ton enfant. Ben tu vas te suffire, tu es les stars. Ma bébé qui a élevé une fille comme Canet, grande comme ça, des tailles comme ça, grande comme ça. Elle a 18 ans. Toi, tu es incapable d'aider ton propre enfant. Tu l'envoies au Cameroun, encore un garçon, pour qu'il devienne bandit au pays. Pour rester sur Facebook à insulter une femme qui te dépasse. Rêve Mbinda, tu as qu'on a peur de toi. Il a dit que je serai en Allemagne pour toi, ma chérie. Prépare-toi, j'espère que tu as les caroles. Vous êtes deux sur Facebook et dites toujours comme ça. Vous êtes deux sur Facebook. Moi, Nicole, je connais les Allemands. Je dis que je connais qui sont les Allemands. Et moi, je suis le style d'un gars de blanc. Je connais qui sont les Allemands. Je vous prépare une surprise. Parce que tu n'as même pas les caroles. Tu vas me payer l'argent. Prépare-toi, ma chérie. Ta bouche, tu sors dans Facebook, tu vas fermer ta bouche là. Une perdue comme toi. J'ai tout pris les vidéos que tu as publiées, ma mère, sur ta page. Tu vas lire l'heure. Vous avez cru que peut-être sur une petite machine, que quand ils te voyaient, tu vociférais, tu m'insultais là. Sans te mettre, toi et moi là, je te dépasse à l'aller-retour. Tu es finalement que tu es là-bas moche. Tu n'as même pas un beau visage. Tu es moche. Tu n'as même pas les cheveux sur la tête, tu es Kimbo. Tu es Kita. Tu es une fille envieuse. Tu veux faire tout comme ta grande soeur. Bientôt, tu vas prendre. Tu as double voler la vie de ta grande soeur. C'est même pas ta grande soeur. Parce que c'est ta grande soeur de sang. Elle t'aurait confié sa fille. Sa fille Luz Goria. Mais elle est incapable de faire. Elle est incapable de te faire confiance. Tu vois? C'est là que tu es une personne sans paix. Tu es une personne que ta propre seule va confiance. Tu pourras te faire confiance sur Facebook. Hein, ma chérie? Tu exagères. Et quand elle voit la vieille peau là, toutes les vieilles femmes qui montent dans ton Dieu pour t'encourager à détruire ce Camounaise, elle t'a fait quoi? Tu suis l'homme avec elle? Non. Non. Non, c'est ton égal? C'est ton égal, Rêve Mbinda? C'est ton égal? Tu peux manger à table avec elle. Tu peux t'asseoir quelque part avec elle. Petite villageoise de bas étage. Petite envieuse. Une
paresseuse de fille comme ça. Va apprendre, va travailler. Il y a le travail en Allemagne, va travailler. Je suis star, star de café. Tu gagnes combien dans Facebook? Tu gagnes. Elle se parle dans tous les directs. Bon, on parle un peu mal de papa, de ma pépé. Elle a serré son venin, son bonnet dans le ventre. Elle s'assoit tout. Elle écrit le gros français. Tu vas écrire le gros français, la police allemande devant moi. Ton français là, tu vas écrire ça à la police allemande. Ta maman, toi tu sais que tu, toi tu sais. Tu vas écrire son gros français là-bas. Même parler allemand te dépasse, même écrit te dépasse. Du jamais vu. Du jamais vu. Si tu ne parles pas allemand, tu n'auras pas les vues. Si tu ne parles pas d'elle, tu n'auras pas les vues. Tu n'auras pas les vues. Tu oublies ta sauce et pour te faire une place sur Facebook. Elle t'a rien fait. Attends, quand tu as fait quelque chose. Hein? Elle t'a rien fait. Pour faire plaisir à qui? Angoy. Que toi, maintenant, ton foie intérieur, tu n'aimes même pas Angoy là. Les vraies abeilles, les abeilles même. Les vrais, pas les petits nyamanyama de yé yé. Les vraies abeilles, c'est que tu n'aimes pas leur renne. Tu n'aimes même pas leur Angoy là. Tu n'aimes pas. C'est juste une hypocrisie. Tu te sers de ces abeilles là pour avoir la visibilité. Mais comme ils sont bêtes, tu n'aimes pas. Dans ton fond intérieur, tu n'aimes pas cette femme. Tu ne l'aimes pas. Tu ne la portes pas dans ton cœur. Tu ne portes pas Angoy dans ton cœur. Tu ne la portes pas dans ton cœur. Démon que tu sois. Tu ne peux pas t'acharner sur une personne qu'on a pour rien tous les jours, on te laisse. Mais c'est de trop. C'est de trop, ma chérie. Essaye encore de te lever sur elle. Je vais mettre la vidéo où tu as insulté ma Anna. Je veux voir si les vraies abeilles là vont encore te suivre. Je vais me mettre la vidéo où toi tu as insulté ma Anna. Quand Goba part et t'es le Bamoun, ça c'est sur elle. Tu étais là-bas, tu l'insultais. Je veux mettre ça où tu as insulté ma Anna. Tu as oublié toi, tu veux quoi? Tu es exagère, ma chérie. Tu en as peur de toi, tu es qui? Moi-même perdu en Allemagne, mon frère. Une perdue dans la nature. Tu es une perdue, tu es bête. Tu es moche. Tu es jaloux, tu n'as même pas le charisme, tu n'as pas le corps, tu as le goût, tu as les mains, ses pieds. Tu n'as pas un beau corps debout. Tu es jalouse, tu dis que tu es envieux, tu n'as même plus compris ce que c'est la vie. Tu sais ce que c'est que la vie, tu ne sais pas. Il y a des gens même qui peuvent mettre mes poches comme ça, mais toi tu exagères. C'est toi qui as le droit de t'asseoir sur elle. Non, on n'a pas le droit de t'asseoir sur ta soeur. Hein? Vous avez fait me tuer ça sur la toile. Vous avez fait me tuer ici sur la toile. Ici. Vous avez fait m'écraser sur la toile. Que non, je suis pipi. Que je dois laisser pipi. Je dois laisser pipi. Je dois laisser Germain. Mais toi, tu me dis fais pareil. Tu affichais ma pauvre maman sur ta page. Tu pensais que non. Parce que les gens sont venus me mentir que Nicole, que tu n'as pas les papiers. Vous croyez ce que les gens disent sur la toile, sur moi? Que non, Nicole, que je n'ai pas les papiers. Maman, tu me fais tellement rire. Tu étais sûre de toi. Tu étais sûre de toi, ma chérie. Quand tu affichais ma mère sur ta page, elle partait se laver. J'ai la vidéo là, ici. Je vais te faire une belle surprise en Allemagne, ma chérie. Prépare tes fesses, asseye-toi bien même comme ça. J'arrive. Vous êtes deux comme ça, qui doivent donner une leçon sur Facebook. Vous n'allez plus jamais vous attaquer aux parents des gens. Vous n'allez plus jamais vous attaquer aux parents des gens. C'est moi qui vous dis ça. Tu en fais de trop. Tu en fais de trop, ma soeur. Tu en fais de trop. Ça donne mal au cœur. Tu en fais de trop. Tu penses que quand sa famille voit, ils ne disent rien. Ça fait mal au cœur. Tu en fais de trop. Et ta propre soeur sait. Mais ne te dis pas de laisser. Elle dans le dire, elle monte. Elle a son vieux visage de grand-mère plein de make-up. Elle monte, elle t'encourage dans la bêtise. Parce que vous êtes reconcilié avec Ngoï Sata.
pour vous goyer Satan, c'est votre patronne. Vous avez reconcilié avec le Dieu de Facebook. C'est Lucifer de Facebook. C'est mal Lucifer de Facebook. Regarde à quoi ta grande soeur ressemble. Elle laisse un ado de 12 ans pour aller chercher le Banzizi au Cameroun. Le Banzizi au Cameroun. Après, viendra dire qu'elle est même, elle est même digne. C'est une même digne. Vous allez vous comparer au diamant bleu. Vous allez vous comparer qui se sacrifie pour ses enfants. Hein? Pipi abandonne un ado de 12 ans en Europe. Elle est chez les gens. Pour suivre, pour aller au Cameroun, se faire voir, pour dire que je suis au Cameroun, me voici. L'enfant de 12 ans est où? Luz Goria a besoin d'éducation. C'était maman Pépé qui avait abandonné Noé pour aller au Cameroun, Dieu la Java. Vous devez faire direct pour condamner maman Pépé. Condamner Pipi. Oh, vous les adeptes de Facebook. Donc vous ne voyez pas que Pipi a abandonné un enfant de 12 ans. Un ado de 12 ans chez les gens en Europe. Rêve, Luz Goria, elle dort dans maison en maison. D'où elle a demandé 20 euros. Rêve, Bida, rêve, Luz Goria dort ici. Ne m'a pas dormi là-bas. Elle n'a pas d'endroit fixe où elle dort. Elle dort partout. Sa mère au Cameroun en train de jouer, en train de chercher. Elle va niasse avec quel homme demain. Après, elle viendra dire qu'elle est une indigne. Elle s'occupe, c'est qu'elle a une belle éducation. Oh papa, faut bien monter. Oh papa, faut bien être au courant de toi, ma chérie. Tu peux dire tout ce que tu vas dire sur ce monsieur, mais il vit dans une maison là-bas à Reims. Mais toi, tu es dehors. Quand tu vas rentrer là, c'est pour aller ramasser tes choses là, parce que l'appartement là, on a pris, c'est à louer. C'est déjà loué. Regardez les gens qui ont gratté leur vie en vie. Les Carolos, ils n'ont pas. Ils n'ont pas les Carolos, rien. C'est l'erreur de, l'erreur de ça qui peuvent finir avec les gens. L'erreur de ça, vous n'avez même pas honte. Ya! Yeah! À un moment donné, il faut arrêter. Il faut, on dit non à l'acharnement. Écrire avec okay. Non à l'acharnement. Non à l'acharnement. On va sortir les tricots. Sortons les tricots. S'il y a quelqu'un qui peut sortir les tricots, non à l'acharnement du diamant bleu. Si quelqu'un qui est à Paris, qui peut se porter garant pour sortir les tricots, même s'il vend à 20 euros, on va acheter. On va acheter ça. Partout il passe. On doit savoir. Ça va aller loin. Vous exagérez. Vous exagérez. Moi qui fais des portes de tricot là, je dis non à l'acharnement. Non à l'acharnement sur personne sur Facebook. Non. Vous prenez ça comme le réel. Vous prenez ça comme le réel. Sortez les tricots. On partage ça partout. Non à l'acharnement. Créez vos concepts. Si tu vas voir quoi dernier, quoi tu crois t'as. Non, c'est fait un direct aujourd'hui. Elle a 150 personnes qui la regardent. Elle m'a dit que 150 personnes. Poup! Gonja, viens t'asseoir ici. C'est ma pépé. Et cela, c'est fait un direct. Elle a 40 personnes qui la regardent. Elle m'a dit que merde. Demain, la tête à ouhou, Ngosa, viens t'asseoir ici. Coucou, coucou, pour avoir les vues. Tu vois, tous ces personnes, tout, si tu comptes, ils sont même 30 personnes sur Facebook pour une seule tête. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Il y a les autres même qui sont au Cameroun. On va voir une maman, une mère qui dit qu'elle est partie à la présidence. Elle s'assoit, ma pépé. Vous trouvez que c'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais arrêtez ça à la fin. On détruit Facebook, on commence. On met tout dehors. On publie les vidéos des gens. Le sale que vous avez fait sur la toile. Tout le monde a fait le sale. Et nul n'est pas fait sur la toile. Arrêtez de coller à sa tête une seule personne. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Tout le monde commet
les erreurs. Qui m'a commis les erreurs? Moi-même, je commets les erreurs tous les jours. Je suis impulsif. Il peut être qui après je regrette. Qui ne commet pas les erreurs tous les jours? Mais on pardonne, non? Mais passons dessus. Créons un concept. Mais vous allez créer quel concept alors? Vous allez créer quel concept? Vous avez mis là. Tu peux créer un concept. Rien. Tu n'as pas de sujet sur la toile. Tu n'as pas de concept à créer. Ton seul concept, c'est ma pépé. Va ton seul sujet sur la toile, toi, rêver Bina. C'est maman pépé tous les jours que tu as créé. Quand tu dors, tu rêves que son mari a été fait l'amour. De ton rêve. Tu souhaites. C'est ton rêve le plus cher là-bas. Moi, je ne peux pas m'acharner sur personne pour rien comme ça. Tu t'acharnes. Même Ngoï là qui n'est pas là. Je parle de Ngoï en passant. Ma vie, je m'acharnais sur elle tous les jours. C'est qu'elle fait le direct. Je m'assois fait son direct. Je ne peux pas faire encore même 3 ou 4 jours de faire le direct sur elle. Mais toi, c'est tous les jours que tu as créé. Tous les jours, ma chérie. C'est tu en fais de trop. Tu en fais de trop. Tu en fais de trop, ma chérie. Mais quand tu parles d'elle, on sent la haine en toi. Tu aimes, tu envies ça. Tu aimerais être ma pépé. Tu aimerais être ma pépé là. Tu aimerais être elle. Mais comme Dieu dit non, tu n'as pas la morphologie. Tu n'as pas les formes. Tu peux porter les talons. Tu as les mains et ses pieds. C'est pour ça qu'aucun homme ne vous l'assume. Quand tu te déshabilles d'un homme, il voit une le mamie Ouattara devant lui. Il voit un gros petit. Il voit les seins d'abord, les frères. La tête, il n'y a pas les cheveux. Si je mens, mets-toi sans perruque, on voit rêver Mida. Te mets au défi aujourd'hui. Mets-toi sans perruque, on voit. Tu n'as pas les cheveux dans la tête. Tu n'as pas les cheveux. Tu as une petite empale. Tu es Kita. Petite sans cheveux. Tu es venu parler aux gens. Les femmes qui sont moches. Il faut que vous voyez. C'est toujours les femmes qui sont moches, laides dans Facebook, qui font trop le bruit. Qui font trop le bruit. Moi, je me mets partout. Sans perruque, sans make-up, je garde. Regarde la robe, c'est ce qui est sur moi. C'est je garde. Mes seins vont avec la robe. Je garde. Malgré vos insultes, je dis qu'il y en a foutre. Parce que je connais qui est Nicole Kétia. Si je mangerais de Mida, enlève ta peau, on voit à quoi ressemblent tes cheveux. Si tu es une femme, tu t'assois tous les jours. Quand tu veux parler des gens, il faut t'assurer, il faut te regarder d'abord bien sûr. Si tu as la morphologie, on a dit comment tu peux parler de quelqu'un. Hein? Parce que fait que vous confondez les gens. Enlève ta peau, on voit. Enlève ta peau. On va fuir Facebook. Qui t'a? 3 graines de cheveux. Qui t'a 3 graines de cheveux? Tu veux t'asseoir, venir parler d'une femme tous les jours qui te dépasse, qui te nourrit. Elle vit au social. Malgré qu'elle est fait, elle est mendiante. Malgré qu'elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Elle est chez elle, paye sa maison. Toi, tu payes le loyer en Europe. Ça fait il y a 6 ans, tu es venu en Europe avant moi. Hein? Ça fait il y a 10 ans que tu es en Belgique. 10 ans, non, 15 ans que tu es en Europe, en Allemagne. Tu n'as pas de maison. Ni de moi. J'ai vécu chez moi. Tu sais pourquoi je suis ici? Tu ne sais pas ma vie. Vous ne saviez pas ma vie. Et vous n'en saurez jamais ma vie. Hein? Tu as rompu avec quoi? Tu vis dans le social. Tu viens parler d'une femme qui vit chez elle, avec son mari. Tu t'es regardé? Tu t'es même mesuré? Qui t'a même donné? Méfie-toi, Redemida. Méfie-toi. Je vais te donner une leçon en Allemagne. Moi, Nicole, je vais te servir une leçon en Allemagne. Ma chérie, tu vas respecter le code. Tu vas respecter la fille barantée. Je ne suis pas une tonga comme toi. Tu es une tonga. Tu es une tonga. Je suis la seule barantée sur les réseaux sociaux. La seule vraie barantée Nemsem avec la reine Mère Bio. Parce qu'elle est sondue comme moi. Nous sommes deux. Dans les réseaux, nous sommes deux vrais barantés. Le reste sont les ntonga. Vous êtes les ntonga. Donc respectez votre couloir. Ne nous mélangez plus dans vos bêtises. Parce que les vrais barantés ne sont pas haineux. On n'est pas haineux. On n'envie pas les gens. Vous enviez les gens. Vous enviez les gens. Vous êtes des envieuses. Je t'ai mis au défi aujourd'hui, ma chérie. Enlève-moi ta perruque quand tu fais le direct. Si tu es une femme.
On veut voir à quoi ressemblent tes cheveux. On veut voir à quoi ressemble, à quoi tu ressembles dans le naturel. Une pauvre fille qui n'arrive même pas à s'assumer va venir parler aux gens. Il va apprendre à vous assumer naturellement. On voit à quoi vous ressemblez. Vous détruisez le bloc camerounais. Les gens qui vivent avec la peau des grands-mères. Je n'y parle aux gens. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? J'étais mis au défi aujourd'hui. Si tu es une femme, enlève-moi ta perruque là. Enlève-moi ta perruque. Tu fais une directe sans perruque, on voit quoi tu ressens. On voit tes cheveux. Déchets comme ça. T'assois sur quelqu'un tous les jours. L'harcèlement. Tu penses qu'on a peur de toi. Continue. Tu sors de soi maintenant. On va se faire ça sur l'état. Je viens qu'avec les remembers. Je ne clash plus. Hein. Je mets comment tu as insulté ma Anna. Une pauvre clone comme ça. Bande de haineuse. On va aussi voir ténèbres des bamoun. Qui faut aussi ses mains, ses pieds qui coulent là comme ça. Une sale lesbienne. Comme ça, elle coule. C'est comme si elle aimait trop ma Anna. Vous l'avez insulté la. Vous avez insulté cette maman ici comme sa fille est une perdue. Elle est obligée de s'allier avec vous pour qu'on détruise le diamant bleu. Elle a oublié la dignité de sa mère. Les gens avec qui elle dit Tadana, tu ne les prends pas. Tadana, là, qui a insulté ta mère, prends la nourriture du chien comparable pour ta maman. Je vais poser, je vais mettre ça sur ma page. Te taga à l'intérieur. Viens voir ta Tadana. Qui a plein de comme tu aimes trop ta mère là, hypocrite que tu sois. Tadana, tadana. Tu n'as même pas honte. Regardez Facebook. Ils sont là. Maman. Mais tu es ta tadana, goba pas à longue fesse, bout de cheval, qui a posé ta main. Ma mère, personne ne touche ma mère. Aujourd'hui, tu es avec qui? Tu n'as même pas honte. La honte, vous avez perdu la honte au chien. Vous vendez la dignité de vos parents. Vous vendez la dignité de vos parents. Tu n'as pas honte. Tata, go papa. Tu as pris ta bêtise que tu vends là. Tu oublies que tata, go papa avait mis ta pauvre mère avec la nourriture du chien. C'est sur sa page. Si maintenant elle est enlevée, où est ta dignité de femme d'enfant? Où est ta dignité d'enfant? Par où vous voulez vendre vos bêtises là? Moi, plus jamais plus. Quand tu touches à mes parents. Mais si tu as l'or du monde, va pipi non, plus jamais plus. C'est toi qui dis que Raven Bida, essaye encore sur ma bébé. Bah, tu penses que tu fais rien, on te laisse. Tu viens mettre manque les mêmes, mais je sors. Tu sors quand tu lances le diable. Tu mets manque le nom. Je sors, je lance le diable au même moment que toi. On va se faire sur l'état. Au moment, j'ai le carolo. Hein. J'ai le carolo. Moi, j'ai mes papiers. J'ai le carolo propre. Mais toi, tu n'as pas le carolo. Ta fille n'est pas allemande. Tu es dans l'asile politique. Tu peux parler fort en allemand. Tu peux parler fort là-bas. Essaye donc de faire un mauvais. Tu vois, on va te renvoyer au Cameroun. Tu peux parler fort. Tu peux parler fort. Attends. Voilà, il m'a été demandé. Il m'a été balancé. Il m'a bloqué. Il a bloqué la personne. Il a bloqué. Voilà. Il a bloqué, il a bloqué, ça parlait, il a bloqué.
J'ai bloqué la SAPAC. J'ai bloqué les bêtises. J'ai dit. Non, Bibia, j'ai bloqué la SAE a bloqué. J'ai dit. On t'était trop laissé, ma chérie. Tu sors, je sors. À partir d'aujourd'hui maintenant. On va se faire sur Facebook. Aura. Et tu m'attends en Allemagne. Tu as publié ma mère. Je ne parlais pas trop. Je ne parlais pas trop depuis avec toi. Tu as publié ma mère sur ta part. Je vais te traîner en justice en Allemagne. Oh, ça ne choque pas. Tu vas me montrer que tu as les papiers. Ta bouche que tu sors là, sur Facebook là. Tu vas me montrer les Kaolo vont jouer. Kaolo na Kaolo. Kaolo na Kaolo. Oh, ça ne choque pas. Kaolo na Kaolo. J'attends seulement que ma photo sorte sur Facebook. Je descends en France pour porter plainte. Ça ne choque plus avec vous. Vous êtes trop laissé. Attaquez-vous à moi. Je fais semblant ici avec vous que n'avez pas les papiers. Vous avez cru que oh, Nicole Ketcha. Vous pouvez tenter avec moi. Tu t'attaques à moi ou à ma famille. Je te traîne en justice. Pungoy Sata. Ça serait un aliment avec son gars. Je vais m'accrocher sur son gars là. Je t'envoie. Parce qu'ici, je vais m'accrocher que sur son gars en Allemagne. Et j'ai plein de dossiers que j'arrive là-bas. J'ai plein de dossiers. Je vais prendre même une semaine. J'ai plein de dossiers que je vais gérer là-bas, la police là-bas. Ça ne choque pas. Mettez-moi les têtes de moi. Je bloque. Je bloque les conneries. Ça ne choque pas. Allez chez vous. Je ne vous veux pas. Allez chez vous. Laissez-moi mes petites vues. Je n'ai pas besoin de vous. Allez chez vous. Quand ça monte, vous signalez. Tout en étant à plus de 300 personnes. Vous allez signaler pourquoi. Vous signalez mes lives. Moi, je ne vous veux pas dans mes directs. Je ne vous veux plus chez moi. C'est fini. Moi, je ne vous veux plus dans mes lives. Vous avez compris. Vous avez atteint le sommet. Allez donner les millions aux gens. Moi, je ne veux pas vos vues. Allez donner ces vues aux gens. Je suis en bas. Je mange bien. Je vis bien ma petite vie. Vous avez compris? J'ai vu ma petite vie. J'ai pas envie d'être. J'ai pas beaucoup. Je me suffis à mon niveau. Voilà. Maman, qu'on a ramassé le corps de sa mère à terre. Qu'on a ramassé le corps de sa mère. Tu ne t'acharnes pas sur Mamboma. C'est sur ma père que tu as t'acharné tous les jours que tu as crié. Tu t'acharnes sur cette femme tous les jours. Elle vous doit quoi, maman? Seigneur, sortez les tricots, hein. Ah, quand on est sorti pour les tricots du Babolo, elle dit que s'il y a une TKC qui fait dans l'informatique, qu'elle sort les tricots que non à l'acharnement du diamant bleu, cela il faut que ça prenne tout Facebook. Comme on avait fait sur le Babolo, c'est comme ça qu'il faut faire. On va partager ça partout. Oh, ça ne choque pas. Et de dire à toi, Reven Binda, tu sors encore sur elle, je sors sur toi. Je sors, je mets que les remembers. Hein? Je mets que les remembers. Oh, ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Je vais bien mettre encore ça. Ou, Pipière, qui va attacher ma Anna. Avec la corde. Parce que à l'école, ma Anna était au Cameroun, elle était folle. Elle va attacher ma Anna avec la corde. On va se faire ça sous métal. Parce que une seule personne. Que vous devez salir son image. Vous devez faire croire aux gens que non, c'est elle la plus mauvaise. Elle détruit. J'ai vu des gens. Elle fait ceci. Non. À un moment donné, il faut arrêter. On ne peut. C'est ça qu'elle dit que non. Il faut partir. Non au cyberharcèlement. Il dit qu'il faut. Dit que s'il y a quelqu'un qui fait dans l'informatique, vous sortez les tricots. Non à l'acharnement. Ça va s'arrêter. Il faut arrêter ça maintenant. C'est à trop. Ça fait même peur. Il dit que ça fait peur, même moi-même qui suis là, ça fait mal. Quand on est à la place de la personne, quand on fait les dire sur toi tout le jour, ce n'est pas bon. Ça fait mal, ça fait peur. Moi qui vous dis, restez là-bas. C'est la pure sorcellerie. Ils veulent éradier le diamant bleu dans les réseaux sociaux. Ils ne veulent plus qu'on parle d'elle. Les gens comme les Reven Binda. Mais moi, Reven, pour moi, tu es petit. Mais bah, sois sur toi maintenant. Tu sors sur diamant bleu, sors sur toi. Aura, ça ne choque plus. On va faire ça maintenant sur Meta. Ni, il faut sortir de Remember. Ne te dérange pas. Je ne suis pas pressé que faire mes guerres. On va sortir de Remember. Ne vous dérangez pas.
Koubicha, on va sortir les remembers. Mettez les cris sur le ciel direct. On va sortir les remembers maintenant. C'est ça qui va jouer. T'es un pas. Vous allez arrêter ça à un moment donné. Vous allez arrêter ça. C'est l'enfant de quelqu'un. Elle a la famille qui vit. Elle a sa famille, sa mère là. Sa mère peut attraper l'ABC. De voir comment ça, toute une poisse s'acharne sur sa fille. Il dit que maman soigne, le direct attaque. Ils attaquent mon direct, le direct a attaqué. Ils attaquent mon live. Ils ne veulent même plus qu'on parle sur la toile. Sa mère vit. Sa mère là, elle vit. Vous n'êtes pas les superbes enfants. Ta soeur a fait les mauvaises choses. Ta soeur Kim Diamen a comploté comme la, sur la vie de quelqu'un là-bas au Gabon. On en parle, Revimbida. On en parle. On en parle, ma chérie. Hein? Tu as publié ma main sur ta page. Prépare-toi, j'arrive en Allemagne pour toi. Je veux te porter plainte en Allemagne, ma chérie. J'espère que tu as les carreaux, tu as les papiers consistants contre moi, hein? Parce que les papiers vont jouer en Allemagne. Je connais les Allemands. Tu es, même, tu es dans leur pays, tu ne fous rien, tu ne travailles pas. Tu es dans le fait pour ta chaleur sur une soeur camerounaise. Mouf! Tu vois que moi, j'ai peur d'une poubelle comme toi, une pourriture comme toi. Hein? Ce que tu as fait à ma mère, wallah, je vais te faire. Je vais te faire en Allemagne, devant la police. Comment je vais te faire? Qu'on va te convoquer. Ce que moi, je vais te faire devant la police allemande. Tu vas t'en rendre compte. Je vais t'attraper comme ça, ma chérie. Je vais t'attraper comme ça. Parce que tu sors ta bouche dans mes tas. Tu vas te calmer là-bas. Je te dis. Parce que vous pensez qu'on a peur de vous. Vous pensez que moi, Nicole, que je peux avoir peur de... J'ai peur de la racaille comme les vous sur les réseaux sociaux. La racaille comme les vous là. Les perdus gens. Les gens qui ont faim. Qui ne vivent que de Facebook pour mendier. Pour insulter les gens en longueur de journée. Hmm? Qui insulter les gens en longueur de journée. Ah, mon Dieu. Merde. J'ai dit que hey, c'est quoi? Il y a quoi sur Facebook? Mais laissez ces femmes vivre en paix. Elle n'a rien. Elle est pauvre. Mais elle se suffit. Elle est fière d'elle. Ta soeur a rempli quel sale rêve Mbina. Ta propre soeur a déjà rempli quel sale on a vu. Quel sale a déjà rempli. Rien. Rien. Depuis des années qu'elle est sur Facebook, elle n'était jamais guest star dans une soirée. Guest star n'était pas guest star dans une soirée. Elle n'était jamais guest star dans une soirée. Maman, je dis que quoi, j'espère que tu as la force. Elle est où? Allons bas. J'espère que tu as la force. J'ai pas la force. Devant la police allemande. Donc tu simplifies Nicole Kétien. Tu me simplifies. Tu me simplifies. Et elle dit qu'un bon mot pipito. Est-ce que sa propre soeur a rempli une salle dans une soirée? Sa propre soeur n'a jamais rempli une salle dans une soirée. N'a jamais rempli une salle dans une soirée. Jamais. Sa propre soeur n'a jamais été guest star dans une soirée. Jamais. Je te dis que, Kupichini, vraiment, Pipi a toujours envié Ngoï. Pipi a toujours envié Ngoï. Elle a toujours envié. C'est une envieuse. C'est une envieuse. Vraiment, les bandes de ils sont les complexés. Les complexés, comme tu dis là. Un peu, tu sors. Quelqu'un, c'est ta soeur camerounaise quand même. Tu dis que tu aimes trop Pablo, donc tu l'aimes trop, tu ne l'aimes pas. Tu les vous l'utilisez pour finir avec sa propre soeur, c'est tout. Merde, il faut arrêter ça à un moment donné. Sors encore sur elle, Raven Binda. On va se faire ça sur Facebook, toi et moi, on va se faire ça sur Facebook. Mais les remèmes vont jouer. Les remèmes vont jouer très mal. Vont jouer. Toi, tu vas te voir être sale sur la toile. J'étais à la soirée comme une fantôme. Toi, j'étais comment? Et il fait rire. Comme si elle était trop belle à la soirée. Elle était très belle à la soirée, ma chérie.
Tu m'as vu, t'es trop belle à la soirée. J'ai barré, j'ai bloqué les bêtises. J'ai été trop belle. Venez, non, je vais vous bloquer, vous toutes. Venez. Je vais vous bloquer bien même. Je vais blanc, je vous bloque. Je bloque les conneries. Oh, ah. Je bloque les conneries. Mais elle, non, elle exagère, oui, elle exagère. Pour ça. Non, non, il faut arrêter. Merci, il faut écrire. Non, l'acharnement, elle exagère, ma chérie. Non, non, pour ça, elle exagère. Il faut écrire. Elle sort sur elle. Trop sale, toi, là. Elle est où même? Elle dit que je suis sale. Maman, je suis très propre. Tu es seulement jalouse de moi. Elle est où? Attends, il y a une personne qui écrit là. Ton commentaire n'est pas encore venu. Oh, je la vois ici. Attends, elle est où? Je la vois ici. Elle est où? Non, non, je vais. Non, non, c'est fini, maman. La création est terminée. Eh, hey, pardon. On a trop laissé. Elle pensait que moi, j'avais peur d'elle. Elle dit que maman Elise, c'est trop l'acharnement, c'est trop d'acharnement, ce n'est pas bon. On doit stopper ça. Elle sort, moi je sors. Tu sors, je sors maintenant. Tu vas voir. Ça ne choque pas. Et tu m'attends en Allemagne. Je vais te montrer, moi, Nicole, ma mère que tu as publié. Je vais te faire ça dur devant la police allemande. Elle dit qu'elle a la licence. Elle était vers la licence. Elle n'a jamais eu la licence. Mais il faut écouter son français, Oishka. Son français, ça a désiré, ça a revoir. Ça a revoir. La licence dans le clash. Elle vient tromper. J'étais allée à l'école quand elle cherchait la Starmania. Elle cherchait la Starmania depuis. Elle voulait être star. La star, elle voulait être star de Facebook. N'importe quoi. Et dès qu'ils sont en train de signaler, non, ils signalent. Vous signalez mon dire pourquoi. Nini, tu as donné une bonne dose de ce soir. Bravo. Merci beaucoup. Et dit qu'ils signalent pourquoi. Pourquoi vous signalez mon direct? J'ai même voulu. Je voulais faire même deux, même trois, j'ai le temps sur toi, Rêve Mbinda. Tu comprends ça? Comment ça fait? Tu comprends comment ça fait? Il dit que même sa voix me fatigue. Elle a une mauvaise voix. Elle a une mauvaise voix. Sa voix fatigue. Tu n'attires même pas. Tu n'as même pas envie de te regarder. Tu n'es même pas attirant. On sent en toi une haineuse. La haine. La haine peut te tuer. Tu sais pas quand tu détestes cette femme. Tu n'as pas compris ton acharnement contre elle. Même ta propre soeur t'a déjà dit que laisse cette femme tranquille. Tu ne comprends pas. Comme tu es en concurrence avec elle, qu'est-ce que Pipi va faire? Pipi a vu sa place en devant la sauter. Elle, au lieu de suivre dans ce que tu es en train de faire, mais dans son fond interne, elle ne veut pas que tu parles de ma paix. C'est comme si tu étais fan d'elle. Il faut parler de ta propre soeur. Fais-nous être Pipi. Tu veux que tu es fan de ta propre soeur, mais tu es fan de maman Pépé. Mais t'as pas de fan là, c'est l'acharnement. C'est pour détruire. Hein? C'est pour détruire. Elle avait fait un direct ici à 3h du matin. Oh, ma, pendant que ma pépé est en train de faire l'amour à 3h du matin, Rêve Mbinda avec son nom sur Facebook. Avec son nom sur Facebook. Je partais pisser. Je vois un peu Facebook. Je la vois en plein air. Je dis que merde. Merde. À 3h du matin, avec le nom d'une femme qui est couchée dans les bras de son mari en train de faire l'amour. Tu es sur Facebook en train de parler d'elle. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais bien sûr, Nomba Uno, Diamant Bleu. Mais bien sûr, non, c'est ça. C'est la sorcellerie. T'as pas l'air de fan, c'est même la pute, la haine. C'est la haine. Elle ne serait jamais star en Brakata. Tu ne serais jamais star en Brakata. Tu as insulté Goy ici sur la table que Goy ne t'a jamais répondu. Elle t'a jamais répondu. Hein? Est-ce qu'elle se permet de monter dans le direct de Maman Pépé pour l'insulter? Même tu l'insultes, tu montes encore dans son live. Qui te conseille, Rêve Mbinda, une femme qui n'a pas le soutien à sa taille, qui te conseille, une jeune fille dans sa tête, qui n'a pas le soutien à sa taille. Ces seins sont versés comme ça, boum, comme les vieilles grammes. Aucun homme ne peut t'aider ça. Gardez ma part. Quand tu vois sa tille directement, sa tille, t'as pas la tille, aucun homme, c'est à tomber. Mais le soutien, il n'y a même pas. Elle porte le soutien de grand-mère, le soutien sac au dos. Le sac au dos, là, le sac au dos. Il faut mettre les beaux soutiens rembourrés. Tu mets que le soutien de grand-mère.
Tu es venu parler aux gens. Tu es venu parler aux gens. Je t'ai mis au défi ce soir. Enlève-moi ta perruque quand tu fais les directs. On veut voir quoi ressemble tes cheveux. Tu t'assois. Quand tu t'assois, venu parler au diamant bleu. Allez t'assois, venu parler au diamant bleu. Enlève ta perruque. On veut voir quoi ressemble tes cheveux. Elike. Elle me dit que cette fille, elle est très haineuse, j'ai maman Jacqueline. Très haineuse. Aucun ne peut quoi. Elle ne peut pas. Elle peut. Zara, elle ne peut pas enlever. Elle ne peut pas enlever la perruque. Elle ne peut pas parce qu'elle est laide. Elle a une petite tête. C'est des petites comme ça. Elle a une petite. C'est comme l'œuf. Comme ça. Elle n'a pas les cheveux. Elle ne peut pas enlever. On va fuir Facebook. Elle va venir parler aux gens. Elle est. Richard, que maman, je l'imagine avec la boule zéro. Je te jure, oh Richard, je te jure, je te jure. Moi-même, j'imagine. Je l'ai mis au défi aujourd'hui. C'est une femme. Enlève-moi ta perruque. Tu fais un direct sans perruque, on voit quoi tu ressembles. Si tu es belle. Oh, moi, j'ai vu sans. Moi, voici sans perruque. Ma tête te montre. Moi, voici ça. Je m'assume. Malgré vos insultes, moi, je m'assume. Rêve Mbida. Rêve Mbida, malgré vos insultes, moi, c'est Nicole Kéché. Moi voici sans perruque, moi voici sans perruque. Malgré vos insultes, moi je m'assume. Hein. Moi, je m'assume. Tu fais que quand tu es malade, tu fais bien dans le noir. Hein. Moi, je te rate mes fenêtres. Quand je me lève du lit, si j'ai envie de lancer, lance mon direct. Parce que monsieur supprime, j'ai pas le temps de venir enfiler la perruque comme toi, tu as enfilé la perruque là. C'est parce qu'il a voulu faire un direct pour remercier la TKC de m'avoir invité dans leur soirée. J'ai porté cette magnifique robe, j'ai mis ma perruque. Parce que ce sont les mamans. Moi, Nicole, je n'ai pas besoin de dire que j'ai une team que oh, je vais appeler mes gens. Non. Ce sont les mamans. Je dis qu'il vient remercier les mamans d'être cassées. Maman, il dit ça que je me suis mis pleurer pour les remercier. Si ça dépassait, ce n'est pas ça. Mais la prochaine fois, quand tu vas sortir ce diamant bleu, je ne mets pas la perruque avec toi. Je vais venir naturellement. Je vais te faire ça sans vaseline. Moi, Nicole, je vais te faire ça sans vaseline, ma chérie. On va se faire sur Meta. Aura. Tu vas arrêter ta maman que tu fais sur les réseaux sociaux là. Tu penses qu'on a peur de toi. Et tu m'attends en Allemagne. Face to face. Et ça va jouer. Je suis sûr de moi. Les gens vont me payer le billet d'avion. Le moment viendra. Je vais te parler à une bosse. Qui a besoin de me donner la langue, peut venir te trouver là-bas dans le bain. Moi, t'en sais. Et tiens bien la date-ci. Et tiens bien cette date. Cette date-ci. Merci, maman. Merci, Marie, Florence. Merci. C'est ça, Nicole. La reconnaissance, c'est important. C'est important. La reconnaissance, c'est important dans la vie. C'est important. Donc, c'est un peu ça. Parce que j'ai vu, c'est un peu de trop. Donc, c'est un peu de trop. Vous voulez finir avec sa vie sur Facebook. Elle a plus le droit de manger. Toutes ces pages est signalée. Vous ne voulez même plus que maman Pépé existe sur la toile. Non, elle n'a pas existé. Elle doit partir complètement. Non. Regardez le blog ivoirien. Le blog ivoirien. Vous ne pouvez pas voir un blogueur ivoirien s'acharner sur une personne. Non. Non, non. Vous ne pouvez pas voir les blogueurs ivoiriens aller signer les pages des gens. Non. Ils se disent des vérités. Après, ils passent dessus. Mais pour vous, il faut que vous formez un clan. Un clan pour détruire les gens. Vous formez un clan pour détruire les gens. Hier, Maman Boma était avec sa copine. Aujourd'hui, Maman Boma a quitté sa copine pour aller voir Pipi. Maintenant, c'est la même chose que vous faites. Elle fait la même chose. Vous voyez comment le bloc harmonie est. C'est ça. C'est ça. Et c'est les mêmes gens avec qui vous ont détruit hier. Et c'est le même gens qui veut que vous détruisez le diamant bleu. Mais comme vous êtes bête. Mais heureusement, quand Mambo mettait le diamant bleu, on ne signalait pas les pas des gens. Hein. On était libre, les gens étaient libres de clasher. Mais pour vous là, c'est la haine. Hein. Pour vous là, c'est la haine. Pour vous là, c'est signer les pas des gens. Sauter les pas des gens. Mais vos pas sont monétisés. Vos leaders les passent à monétiser. Vos leaders gagnent les contrats. Mais vous ne voulez même la bosse de Maman Pépé, même Guta actuellement, vous voulez finir avec Guta. Vous avez créé une polémique entre elle et sa patronne. Maman Pépé et la Guta. Vous avez créé une polémique. Oh, elles sont séparées. Oh, ils ont des problèmes dans vos têtes pour que eux, ils viennent.
Lolo et qui attend, tu sais, elle est mettre les queues. Meuf, dégage. Ça pack. Voilà, elle était bloquée. Ça pack, dégage. Hmm? J'ai voulu créer une polémique. Que oh, la guitare m'a pépé. Oh, nous ne sommes plus ensemble. Oh, c'est si vous avez créé toute une polémique. Tout ça, pourquoi il faut que la guitare doit laisser ma pépé. Ah! C'est vous qui allez manger. Faites une pause, on capture, pardon. Hein? C'est vous qui allez manger. Hmm? C'est vous qui allez manger. Ma bébé n'a pas le droit de manger. Vous voyez comment vous êtes méchant. Hein? C'est vous qui allez signer les contrats. Elle n'a pas le droit de signer les contrats. Vous voyez comment vous êtes méchant. C'est vous qui voulez qu'on vous voit. Avec tous les millions là que vous avez, vous n'êtes toujours demandé là sur les réseaux sociaux. Vos maisons imaginaires de Facebook. Même comme ça là. Vous ne devez pas vous laisser les gens tranquilles. Ah! Maman, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous, on cherche nos miettes. Laissez-nous, on cherche nos miettes. Merci pour les partages. 550 partages. 550 partages. Merci beaucoup. Je vous aime. Maman, merci pour les partages. Merci beaucoup. Merci de me soutenir. Merci beaucoup. Ah ça. Maman, 4000 abonnés. Merci beaucoup de me soutenir. Merci. Une nouvelle page comme ça. Là. Merci beaucoup. Malgré vos signalements, malgré tout ce que vous faites, les gens sont toujours là pour soutenir. Depuis que le diamant bleu est arrivé. Maman dit que maman rose, depuis que maman pépé est partie à étudier. Depuis que cette femme est partie à étudier. On veut finir avec sa vie. Depuis qu'elle est partie à étudier. On veut finir avec sa vie depuis qu'elle est partie à étudier. La méchanceté. Mais quand je vois la belle de Balmayo qui est au Cameroun. Attends. Attends, Marie Nicole, salut, tu peux au Cameroun quand? Salut Nicole. Salut Nicole, tu vas quand au Cameroun? Pourquoi tu veux m'arrêter au pays? On t'a dit que moi j'ai peur de partir au Cameroun. On t'a dit que j'ai peur de partir. Le Cameroun vous appartient. Quand tu me dis que Nicole, salut, quand tu peux au Cameroun quand? On t'a dit que moi j'ai peur d'aller au Cameroun, qui va m'arrêter au Cameroun. C'est vous qui avez le Cameroun, maman. Si je ne veux pas au Cameroun même maintenant, arrêtez-moi. Alors. Vous allez m'arrêter, vous allez me mettre en prison. Vous allez faire quoi? C'est ça qui va faire qu'elle va tuer les vétos camerounais. C'est ça qui va faire qu'elle va tuer les vétos aux autorités camerounaises. Faut afficher le Cameroun. Donc pour vous un peu, il faut partir au Cameroun. On m'a porté plainte. Si tu as porté plainte, si c'est toi en faux profil, tu viens me dire, tu m'as porté plainte au Cameroun. Je ne vais pas me présenter au pays. Je ne vais pas me présenter. Ne veux que tu, quand tu veux que je sois à ta soirée, ne fais pas faire quoi à ta soirée. Et tu, c'est d'abord le plan. Si tu veux m'inviter à ta soirée, tu me payes mon déplacement, tu payes mon billet d'avion. Je vis au Cameroun. Si tu m'as porté plainte au pays, je viens me présenter. J'ai peur du Cameroun. J'ai fait plus pire en Libye. Si je ne suis pas morte en Libye, c'est un peu au Cameroun qui va me faire quoi? Si elle n'est pas en prison, Bloch Chantal, elle est où? Elle est où? Il la voit pas. Il la voit pas. Peut-être elle la voit pas. Peut-être elle a bloqué. Il la voit pas. Elle est où? Vous aurez même honte de votre Cameroun que vous parlez, même là que vous êtes pour. On porte plainte à n'importe qui. Vous avez mon honte à votre Cameroun, que vous avez toujours dit que tu as parti au Cameroun. Et moi, les gens s'assoient. Les vieilles mamans avec les peaux ridées qui ont fait le dansant. Les vieilles mamans avec les peaux ridées qui ont fait le dansant a raté. Elle est sur la chaise, elle vient parler du Cameroun. Vous pouvez porter plainte avec qui au Cameroun, maman? Le Cameroun vous appartient. Le Cameroun là vous appartient. Donc, comme vous êtes parti saler la première danse, vous permettez de vous asseoir et de parler aux gens. Hein? Je vais parler à la belle là. La vieille femme, la vieille peau maman qui est au pays là. Qui s'assoit et insulte les mamans des gens parce qu'elle est partie saluer la première dame. Quand ça va tiquer sur ma tête, je vais m'asseoir et te donner deux mots. Toi, la vieille peau qui est au Cameroun là. Tu ne peux pas faire les dires sans filtre là. Avec ta peau qui a froissé, ridée, vous venez fatiguer les gens. Vous dites que oh, je vais venir au Cameroun, tu vas me faire quoi? Qu'elle m'assoit, elle va parler, elle va te donner deux mots. Je vois que tu as fait au Cameroun. Parce que vous pensez au Cameroun vous appartient. Le Cameroun n'appartient à personne. Ça appartient à tous les Camerounais.
Et arrêtez de croire que vous allez influencer les gens. Vous n'influencez personne. Vous avez compris? Vous n'influencez personne. Vous n'influencez personne. Personne. Vous avez compris? Même si on m'arrête, ça fait quoi? Si je suis pas monté en Libye, c'est ça qui va me faire quoi? Ça va me faire quoi? Bon, vous faites tellement rire. Non, l'impératif dit que Nicolas lancé de la jette. L'année. Elle dit que l'année la gère. Ouais, que. Vous avez le mot, hein. Le Cameroun, c'est pour eux. Qui s'arrête tout le temps à plaindre, tout plaindre, c'est quoi, pardon. Il dit que, moi, Jacqueline, c'est même comment avec eux, non. Un peu, un peu. On va te porter plainte au Cameroun. Un peu, un peu. Il y a un vrai problème au Cameroun. Laissez la police camerounaise tranquille. Laissez-le un peu en paix. Il y a les vrais problèmes au Cameroun. Il y a les enfants qui se font sodomiser. Il y a les vieux pères qui se font abuser. Il y a les enfants qui se font abuser. Laissez le problème du Cameroun. Laissez ça. Quand tu es sur Facebook, tu clashes, on te clash. Tu supportes, tu avales. Portez plainte ici en Europe. Si moi j'étais offensé, si tu as les papiers, prends le vote, tu viens en Italie, tu connais mon nom, Nicole Tchapchet, tu viens, tu me portes plainte en Italie, que moi, Nicole, elle m'a incité, on va m'appeler, je vais venir me présenter devant toi, te demander ce que tu veux. C'est comme ça. Vous laissez tous les gens vivre pour aller porter plainte au Cameroun. C'est la méchanceté. Et vous pensez que c'est quoi? Si j'ai été dit, il y a une faute. C'est tout. Elle dit que vraiment, elle regrette sa jeunesse, vraiment. Mais hein, il faut arrêter ça. Merde, vous exagérez. Un peu le Cameroun, un peu, un peu le Cameroun, un peu le Cameroun, un peu le Cameroun. Hey. Merde, non. Elle regrette sa jeunesse, là, jusqu'à si je peux mourir de rire. Il faut la voir tellement qu'elle est sur la chaise. Avec la peau qui a froissé. Je me demande quand on dit qu'ils ont une relation. Est-ce qu'une relation peut même niasse même ça? On peut niasse même le genre à la maman. Il faut. Pourquoi quand les gens, quand les femmes la forme le dire, il faut que vous mouriez même dans un miroir. Bon, il y a déjà dénoncé sur ça. La sodo de ça. Bon, il y a déjà dénoncé sur la sodo. Sa donation, c'est son père du pays là. Elle dit qu'elle a dénoncé où? Elle peut dénoncer, elle peut parler de ça. Elle dit que c'est pas ça, n'aura pas les vues, non. Je suis plus Vanessa. T'es très jolie. Enlève un piercing, tu seras encore plus subi. Non, c'est mon fantasme, j'aime comme ça. C'est ça que moi j'aime. Même pas le bib. Ouais, maman, autant, c'est excuse-moi, ma mère chérie. La prochaine fois, t'envoie ça dans le dit. T'envoie ça sur WhatsApp ou sur Messenger. Je suis désolée, maman, autant. Excuse-moi, maman. Je t'ai dit, une boulée comme ça. Quand tu regardes les gens, tu te poses la question, est-ce qu'on peut même nier ce genre-là? Avec la peau qui est froissée, que le diant s'en a raté. Que le diant s'en a raté. Elle fantasme, c'est un mec, si on n'a même pas vu son diant. Elle dit qu'il fallait la voir au Dieu. Elle m'énervait. Est-ce qu'il fallait la voir au Dieu? Elle s'est croisé ses pieds. Maman, elle a mis le filtre. Ce soir, tu as parlé fort. Elle a posé ses pieds comme ça. Maman, il peut voir la peau froissée, froide. Les vieilles mecs qui ont raté leur vie, qui ont fait le maquillage, qui ont fait la prostitution, le dédicaire. Tu as dit qu'ils ont mis les relations. Les relations, même qu'au Cameroun, peuvent même nier ce genre-là. Tu nies le genre même comment? Même dans la lumière, dans le noir. Parce que le genre, même, la personne, même, on te les marchés avec toi, maman. Ce genre que tu donnes l'argent à un homme. Tu achètes l'amour des hommes. Je t'ai dit. Nathalie Ngacha, bonsoir. Merci beaucoup pour les cœurs. Je t'ai dit. Franchement, il faut écrire. Sortez les tricots pour dire non à l'enseignement. Non à l'acharnement. Vous jure. Vous dites la vérité. Oh, Mireille, t'es passé comment? Non, ça fait longtemps. Hein? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc, pour dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de vous en prendre au gouvernement camerounais. Laissez-les tranquilles, font le travail. Diamant bleu les dépasse. Elle tous. Je dis qu'ils sont jalouses. Amen, amen, amen. Il peut niaiser les côtes. On niaise le jal là, maman. C'est pour porter. Tu niaises le jal, c'est pour tomber évanoué. C'est pour tomber l'épilepsie. Pardon. On niaise pas le jal là, maman. Il faut les voir comment. Le vrai agent ne parle même pas. Le vrai agent même. Le vrai agent ne parle pas. On ne parle pas. Celui qui a le vrai agent ne parle pas. On voit seulement. C'est les tonneaux venus qui n'ont rien qui même parler. Qu'elle essaie un peu de me répondre. Mais là, ah, mon
que c'est les c'est là ça me passe qu'elle fait à ma pépé fait aux gens c'est tant que sur moi sort ses captures d'écran pour dire que c'est pas n'importe qui parce qu'ils ont là qui va parce que quand vous publiez les mamans des gens tu vois une vieille maman qui se met à publier les mamans des gens qui publie les parents des gens qui publie il y a les gens qui vont accepter ça. Tu vas venir m'insulter comme la sérologie. Tu vas venir m'insulter comme la publier ma grammaire. Ça va faire quoi? Mais je sais que je vais te ramasser. Je sais que je vais t'insulter. Tu vas te regarder dans la glace comme ça. Tu serais perdu. Merci beaucoup, Mireille Tepe. Merci beaucoup. Merci. Je te dis, mon frère, il faut arrêter. Tu vas en train de publier les parents des gens. Tu vas en train de faire comme si. Tu vas en train de faire comme si la je dis, mon frère, il y a un mot pas avec maman. Arrêtez ça. Les riches ne sont pas suffisants. Ce sont les pauvres qui sont sur les réseaux sociaux. Les riches même ne sont pas sur Facebook. Les riches, les gens même qui ont l'argent, le vrai argent, ne sont pas sur les réseaux sociaux. C'est les perdus qui sont sur Facebook pour venir faire vendre le rêve aux gens. Hein? Les gens souffrent au Cameroun, prenez l'argent là où, étant au Cameroun, ne travaillent pas, prenez cet argent là pour vivre une belle vie. Il faut arrêter. Et ça, il faut arrêter. Il y a une situation de ces matières de venir pingis. C'est comme ça. Il y a un japapé. Attends, je peux venir dire qu'il y a un japapé sur TikTok. Moi, pas moi, c'est moi. Merci, la Love Queen. Merci beaucoup. Le prou, maman, le tu le prouvi. Le prouvi, maman. Tentez seulement. Je sors la vidéo de Pipi. D'où Pipi l'avait lavé ici. Elle lavait ce qu'elle avait rincé. Merci beaucoup. Je sors la vidéo. Pipi l'avait lavé ce qu'elle a rincé. Non, les vieilles pour la doivent savoir leur place. Les vieilles pour la doivent savoir leur place. Je te dis la vérité. Les vieilles pour la doivent savoir leur place. Tu peux aller prendre la photo d'une maman, tu viens publier ta place, c'est impossible. Essaye ça avec moi. Je vais finir avec ta race. Je vais t'insulter comme ça. Hein. Tu as lié l'heure et tu vas laisser le mouvement camerounais tranquille. Parce que les gens, ils ne peuvent même pas nier ce genre-là. Ils vont nier avec nos cabinets. La vie, les corps, le corps qui est brûlé, qui est froissé là. Qu'est-ce qui donne envie de. Pardon, j'ai même pas envie de parler de ça, pardon. Donc, pas te publier les mamans des gens. Publier, tu prends une maman comme Marie-Josée, tu mets sur ta part, tu publies maman qui n'a rien à y voir à l'intérieur. C'est à tout ça à cause de quoi la visibilité. Tout ça pour faire plaisir à qui Angoy. Angoy Sata. Pour dire que le diable existe dans Facebook. Yann a laissé bien Bobby sur TikTok ce matin. Yann, c'est qui? Maman, il faut me donner. Maman, il est parti aussi. Moi, il est là-bas, non, maman. Ouais. Bobby, qui rêve de Facebook? Qui rêve de mec? Ouais, ok. Il y a déjà parti sur TikTok. Il y a déjà parti sur TikTok. Maman, il me dit de moi aussi, ghetto, non, maman. Maman, c'est un type. Maman, il était à TikTok, non. Yann, c'est qui, non, maman? C'est un TikToker. C'est un TikToker. Martial, le japapa TikTok, moi, et pas moi. Apparemment, il y a un bon japapa TikTok. Apparemment, il y a un bon japapa TikTok. A de quoi, il faut TikTok. C'est maman, c'est qu'elle dit, comme ça, maman. Avec le danse, avec le filtre, ma chérie. Avec le filtre, ma. Bon. On va s'arrêter là. Je vous aime. Mes mandrins ont commencé. Ça commence à couler. Mais me protéger, mes mandrins ont commencé. Maman, tu commences à me faire mal. Je vous aime. Je vous adore. On se voit à très bientôt. Yann, c'est le gars de l'heure. Ça parle, c'est quoi? Et c'est que, je peux en être. Il y a le sort. Tu m'envoies ça sur TikTok. Moi aussi, me tirer là-bas. Attends. Nini, Yann, c'est un TikTok. Il est souvent en live avec Amen Kame. Il a filmé. Hein? Il est souvent en live. Il a flirté avec Bopi. Il a flotté avec Bopi. Elle flottait son diant sans sur WhatsApp avec lui. Hein? Hé, hey, mais dis pas. Ouais, tu peux pas envoie-moi le TikTok.
TikTok du gars là, non. Yo, comment va Yann? 5 ans du pays, maman. Merde. Maman, avec tous les mamans des abeilles là, maman, elle a pas trouvé un bon gars en bain. Hey! Oh, loco. Maman, avec tous les mamans des abeilles là, avec la maman des abeilles là, elle n'a pas trouvé un gars en bain. Maman, elle n'a pas donné un gars en bain. La maman des abeilles, maman, avec, ils ont une maman des abeilles, non. Ils ont l'armée de la team. Elle n'a pas trouvé un gars en bain. Il est en France. Hein, maman? Bravo, plaisir. Mais merci beaucoup, Dave Alain. Il est comme ça. Hey, maman, envoie-moi sa page, maman. Et même aussi, ça va me brincer. Mais écoutez le socor. Ciao, à demain.